Kia ora nei tō tātou whareredei tēnei pōpui api, tēnei o te whenua o nō whātereheu, mō ki a mai tēia tēnuna ai tēmei tēia pōpui, mō pāpai wea, pāpai praurhei, tēnā tui te whiaro upa. Te aro whai arhei, mai tei tātou te aro whanau te atua I tō tātou whareredei tēnei pōpui. Voilà, bonjour tout le monde. Monsieur le Président du gouvernement, les ministres, les élus, le public, les médias, tous ceux qui nous regardent ce matin, mes salutations. Nous allons donc reprendre cette séance ce matin par l'examen des rapports des projets de propositions de délibération et d'un avis. Passons maintenant au rapport 86-2008 relatif aux 14 propositions de délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par diverses personnes pendant les années 96 à 2004. Je demande au rapporteur, Madame Manoutahé Lévy-Agami, de présenter son rapport. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Par jugement numéro 2008-12 à 2008-25 du 29 février 2008, la Chambre territoriale des comptes a déclaré comptable de fait, conjointement et solidairement, 23 personnes, parmi lesquelles un ancien président de la Polynésie française, divers élus municipaux et divers syndicalistes. Ces personnes avaient été recrutées en tant que personnel de cabinet par délibération numéro 95-129 AT du 24 août 1995 par l'ancien président de la Polynésie française émis immédiatement et à durée indéterminée à disposition de communes et de syndicats. Ces faits remontent aux années 1996 à 2004 et les dépenses concernent la rémunération de 14 agents, c'est-à-dire les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés, et pour un dossier, les indemnités représentatives. Il ressort de l'ensemble des documents de la Chambre territoriale des comptes transmis par le président de la Polynésie française par lettre numéro 2059-10-PR du 7 octobre 2008, que les dépenses s'élèvent pour les 14 procédures à la somme de 230 995 036 francs pacifiques. Conformément à l'article 185-14 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est demandé aujourd'hui à notre Assemblée de se prononcer individuellement pour chacun des dossiers transmis par la Chambre territoriale des comptes sur le caractère d'utilité publique de ces sommes, afin que la Chambre territoriale des comptes puisse éventuellement arrêter la ligne de compte. Par souci de précision, il est rappelé aux représentants que ce vote intervient dans le cadre de la procédure administrative de régularisation des dépenses effectuées pour les montants figurant dans chaque délibération. Il appartient donc aux représentants de voter ou non, en toute connaissance de cause, des éléments fournis par la juridiction compétente, les dépenses effectuées afin de les autoriser a posteriori ou non. Ceci afin, le cas échéant, d'intégrer les dites dépenses dans un cadre administratif régulier. Tel est l'objet de la proposition de délibération que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'étudier au regard des présentes observations. Voici, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame le rapporteur. Du fait que la Commission des finances a conclu au rejet des 14 propositions de délibération, et conformément à l'article 32.4 du règlement intérieur, j'appelle l'Assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débattre des propositions de délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération
effectuées par diverses personnes pendant les années 96 à 2004, avant l'ouverture de la discussion générale. Et je mets au vote cette question préalable. Ceux qui sont pour le débat. Oui, M. Bichou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Police française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, chers publics, bonjour. Effectivement, cette question que vous posez est une question qui est relative à la conclusion des travaux de la Commission des finances. Il est bien évident pour nous que la question qui est posée aujourd'hui est posée à l'Assemblée de la République française. Donc notre position sera de poursuivre le débat et de positionner notre Assemblée ce matin sur la question d'utilité publique des dépenses effectuées à l'époque. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je mets donc la question au vote. Ceux qui sont pour le débat, à l'unanimité. Madou. Donc, il n'y a pas de compte. L'unanimité. La discussion générale est ouverte. Est-ce que le gouvernement souhaite intervenir? Nous avons prévu que le groupe Totato aille passe en premier pour 24 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues. Depuis quelques semaines, tant dans les médias qu'au sein de notre institution, voilà un débat qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui a été aussi souvent source de confusion, de raccourcis et d'incompréhension. Il nous semble dès lors important de rappeler quelques éléments fondamentaux. En effet, mes chers collègues, faut-il encore préciser que nous ne sommes pas une cour. Nous ne sommes pas un tribunal réuni aujourd'hui pour juger des hommes, d'un système, de mauvaises habitudes prises pendant quelques décennies. Nous ne sommes pas des juges réunis pour examiner un problème d'emploi fictif, de détournement de fonds, etc. Non, nous sommes une assemblée élue et réunie en session pour examiner sur un plan purement administratif l'utilité publique des dépenses effectuées pendant une période donnée. À cette question qui nous est posée sur le fondement de l'article 185.14 de notre statut, certains ont pu répondre oui, dont acte. Mais il semble en vérité que nous devons nous poser cette question plus précisément, s'en tenir à la rédaction stricte du statut serait, à mon sens, un excès de zèle bienvenu dans l'application des textes. Le statut n'est pas là pour nous poser la question. Notre statut d'autonomie prévoit simplement le fonctionnement de la procédure que nous suivons aujourd'hui. Aussi, voici donc la vraie question que nous avons à nous poser aujourd'hui et que nous nous sommes précisément et ardemment posés lors de nos travaux en commission. Les dépenses effectuées par les personnes mises en cause ont-elles eu un quelconque caractère d'utilité publique pour le pays? Comme cela a pu être déjà rappelé dans nos travaux, c'est en effet en termes budgétaires que nous devons examiner ce dossier. Et en dehors de toute passion. Organe délibérant du budget, notre vote intervient aujourd'hui pour entériner, en toute connaissance de cause, les dépenses incriminées,
Or, nous sommes l'organe délibérant du pays, pas celui des communes, encore moins celui des syndicats. C'est donc de l'intérêt du pays, intérêt que nous représentons et que nous défendons, dont il s'agit. Alors, il n'est pas nécessaire de ramener le débat sur le fait que les personnes employées ont bel et bien travaillé, qu'elles n'ont pas été employées au titre d'une simple complaisance. Il semble en effet, au regard des éléments du dossier, que ces personnes employées via ce montage contractuel ont effectivement effectué leur travail. Mais pour qui? Pour des communes et pour des syndicats. Et uniquement pour l'intérêt de ces communes et de ces syndicats. D'ailleurs, la Cour des comptes a su écarter les dossiers dans lesquels la personne employée avait effectivement un travail au sein du cabinet de la présidence différent de son emploi d'élu communal. Il apparaît donc à ce stade des choses que la réponse à la question qui nous est posée est fort claire. Mais au cas où un doute subsisterait encore, au cas où certains pourraient encore trouver à redire à cette notion d'utilité publique, il convient d'apporter un autre élément qui nous semble d'importance. À l'heure d'aujourd'hui, il semble certain que de tels montages ne sauraient trouver grâce aux yeux des juges. Pourquoi ? Parce qu'il a été démontré que ce système avait notamment pour objet de rémunérer des élus municipaux pour effectuer leur mission d'élu. Peut-on en effet concevoir, et ce malgré l'adoption de l'article 54, alinéa 2 de notre nouveau statut, un tel contournement des dispositions du Code électoral? L'utilité publique de certaines dépenses peut-elle couvrir un contournement de la règle? Des divers textes qui régissent notre pays, clairement, la réponse est non. Pour poursuivre sur ce que j'ai déjà pu exprimer au nom de notre groupe en commission, il s'agit pour tout un chacun d'assumer ses responsabilités. Il s'agit pour notre classe politique de démontrer que si nous sommes solidaires pour faire avancer notre pays, nous ne pouvons être solidaires pour nous déjouer de nos responsabilités. Que nous ayons été de bonne ou de mauvaise foi impliqués dans ce système, ou que nous en ayons été les acteurs de leur mise à jour, la population polynésienne souhaite aujourd'hui tourner la page d'une période politique lourde qui doit trouver son épilogue. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui est notre société d'aujourd'hui. Nous avons surtout la responsabilité de tirer un trait sur le passé pour décrire les nouveaux contours d'une classe politique respectueuse des règles et du droit. Ce que nous décidons aujourd'hui sera la référence de demain. Nul élu d'une collectivité ne pourra bénéficier d'une autre ressource publique que celle prévue par les lois. Je vous remercie de votre attention. Perikini, pani mai tetap o teruho, teruho ya rai. Perikini o te fenu mau fatrehau atu tenatu tehei o teruho. Katou wanto te itamai te iepepui, pani mai tetap o teruho. Itau do te mumi atu aere anai. E tau tō te mōmea atu.
bien que je partage les propos du président du groupe Totato Waya, je souhaite néanmoins vous faire comprendre ce matin ma position. Pendant plus de 30 ans, mesdames et messieurs, chers collègues, l'État, à cause de Moruro en mon amour, a fermé ses yeux face au système politique mis en place localement par son porte-drapeau. Pendant plus de 30 ans, à cause de Moruro en mon amour, l'État est resté sourd et insensible à l'appel de détresse de nos populations locales, exploitées, dominées et aliénées. La raison d'État, malgré toutes les tentatives, les initiatives locales, est restée la plus forte. Mais la Polynésie ne pouvait rester à l'écart de cette évolution mondiale des mentalités et des esprits qui fonde sa raison d'être sur ses valeurs universelles de liberté, liberté d'apprendre, liberté de comprendre, liberté de reconstruire, sur ses valeurs universelles d'égalité devant toutes les injustices et de solidarité face à toutes ces inégalités. Oui, notre pays ne pouvait rester à l'écart de cette évolution. Il aura fallu néanmoins plus de 30 ans, cette évolution statutaire, plusieurs grandes manifestations populaires, plusieurs erreurs de justice, plusieurs malentendus et un bouleversement politique extraordinaire en mai 2004, confirmé en février 2005, poursuivi en février 2008, porté et souhaité par des hommes et des femmes ordinaires, épris cependant d'amour et de justice pour notre pays, pour qu'enfin, aujourd'hui, ici, nous puissions débattre de ce délicat problème, ici en assemblée représentative et délibérative de notre pays. Permettez-moi donc d'abord de remercier fortement tous ceux et toutes celles qui ont placé leur confiance en nous pour que ici nous puissions être leur porte-parole. En effet, au cours de la campagne pour les élections territoriales en janvier et février 2008, tous les partis politiques ont appelé à la transparence de la vie politique, au changement des mentalités et à la fin de l'utilisation frauduleuse de l'argent des contribuables de notre pays. Aujourd'hui, tous ces partis sont représentés au sein de notre Assemblée, ce qui démontre sans ambiguïté que tous les électeurs et électrices ont été sensibles à cet appel. Alors, chers collègues, appelons donc un chat, et reconnaissons clairement que la question posée par le présent dossier des emplois fictifs est tout simplement : faut-il, oui ou non, déclarer légitime et d'utilité publique l'utilisation frauduleuse de l'argent des contribuables, maori, par M. Gaston Flosse et ses amis pendant les 25 années de son règne absolu ? Voilà la question politique. Je vous rappelle volontiers que ce dossier accablant des emplois fictifs que nous a envoyé la Chambre territoriale des comptes a été instruit par la justice à la suite, entre autres, d'une plainte que le président Oscar Temaru, au nom de l'espoir engendré par le Taui 1, avait déposée à la suite des élections de mai 2004. J'ai encore en mémoire le souvenir de nos débats internes de l'époque, Monsieur le Président.
très fortement ancré dans ma mémoire. Son contenu, transmis par la Cour des comptes ainsi que la décision du Conseil d'État de rejeter le recours déposé par M. Floss, justifie amplement le dépôt de notre plainte de l'époque. Le moment est donc venu de respecter notre parole donnée aux électeurs et contribuables en janvier et février dernier, lesquels y ont cru. Chers collègues, nous ne pouvons donc et nous ne devons pas rendre acceptables des pratiques inacceptables dont souffrent nos concitoyens depuis si longtemps, non seulement du point de vue légal, mais aussi au vu de l'image négative et de la réputation déplorable dont notre pays est affublé depuis des années, précisément à cause de ces pratiques frauduleuses révélées tout autour de la planète par tous les médias et confirmées par la Cour des comptes ainsi que par le Conseil d'État, que nous ne pouvons soupçonner de partialité politique. Effectivement, nous ne pouvons soupçonner la Cour des comptes et le Conseil d'État de partialité politique. Sur Internet, chers amis, tapez le nom de Gaston Floss dans la case d'un moteur de recherche comme Google. Eh bien, en moins de 15 secondes, vous avez les réponses suivantes. Je cite. Polynésie, le système de Gaston Floss se dévoile. Détournement de fonds publics. L'ancien président de la Polynésie reconnaît que plusieurs dizaines de personnes étaient payées par ce service sans y travailler. Baxis, Gaston Floss envoie des flics financiers de Nanterre à Tahiti, perquisition au domicile de Gaston Floss, interrogatoire. Fin de citation. Et cela à plusieurs reprises, sur des pages et des pages de sites Internet visités par des millions d'internautes, par simple charité chrétienne. Je ne vous ai cité que deux passages parmi des centaines publiés sur le web en français et en anglais. J'en suis même venu à me demander, quelque part, si la baisse du nombre de visiteurs touristiques n'aurait pas aussi pour cause une telle contre-publicité. Je suis sévère. J'étais avec vous, Monsieur le Président, dans le pays le moins corrompu du monde, il y a 2 semaines derrière nous. Je pourrais donc vous dire que la campagne de prétendue justification menée par M. Floss depuis plusieurs jours est une tentative désespérée de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais je tiens aussi à vous dire que valider ces embauches frauduleuses en les déclarant d'utilité publique, ce serait comme si nous reconnaissions que les délinquants ou bien les criminels sont d'utilité publique, étant donné que leurs actes ont permis l'existence de la police, de la gendarmerie, des avocats et des magistrats, des professions exercées par des milliers de personnes qui seraient au chômage si, tout à fait par miracle, délinquants et criminels venaient à disparaître. Et puis, dans la foulée, pourquoi ne pas reconnaître aussi d'utilité publique un certain incendie d'aéroport en septembre 1995, vu que cet événement avait fourni du travail à certaines sociétés qui étaient à la veille d'un dépôt de bilan avec des dizaines d'ouvriers au chômage. Il avait permis aussi à tous les importateurs d'automobiles du pays de réaliser des chiffres d'affaires records grâce au remplacement aux frais de l'État des voitures incendiées dans les parkings de l'aéroport. On peut pousser le raisonnement jusqu'à l'extrême. Chers collègues, ma devise est celle de mon mouvement à Rouy et de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. En tant que fondateur de ce rassemblement modeste, je ne puis que voter non à la validation des emplois fictifs, non à l'absolution de M. Floss et de ses amis d'autrefois, même si certains d'entre eux ne sont plus ses amis politiques et se sont réfugiés au groupe Totato Aya. La campagne de justification que mène M. Floss via tous les médias depuis plusieurs jours m'a amené aussi, avec quelque amusement, à conclure que M. Floss,
sénateurs, considèrent à la fois les magistrats de la Chambre territoriale des comptes, de la Cour des comptes et du Conseil d'État comme d'infâmes imbéciles, comploteurs, insensibles à sa générosité à l'égard des pauvres maires, conseillers municipaux et leaders syndicalistes de notre dernier paradis terrestre. Une générosité d'autant plus facile à exprimer que ce sont les impôts des contribuables du pays qui payaient pour leur ralliement au Tarawera. Enfin, chers collègues, en forme de post-scriptum, je tiens à vous rappeler qu'il y a tout de même quelqu'un de courageux, digne de respect, parmi ces 23 profiteurs du bien public. C'est dommage qu'il soit absent. Il s'agit de M. Marcelin Lisson, représentant au Tatoaya des îles Soulevant, que nous appelons tous affectueusement Titi. En effet, le 14 octobre dernier, en première page des nouvelles de Tahiti et en couleur, droit dans ses bottes, fidèle à lui, Titi reconnaissait publiquement ses erreurs et annonçait qu'il fallait tout simplement rembourser les sommes qu'il avait illégalement perçues à l'initiative du sénateur, maître tout-puissant de la Polynésie, durant un quart de siècle, sous l'ombre protectrice de son frère Jacques Chirac, persuadé d'être éternellement au pouvoir et donc affranchi des misérables contingences légales auxquelles seul le bas peuple devait se conformer sous peine de sanction. Alors, Titi déclarait, même si je peux être touché, je vais voter contre. Il faut payer. Bravo Titi. Merci d'être un homme, un vrai respectueux du peuple qui t'a élu. Et je t'applaudis, je m'incline devant toi. Chers collègues, merci de m'avoir écouté. Monsieur Philippe Schill, vous souhaitez intervenir? Monsieur le Président, on ne fait pas le tourniquet. On veut que ce soit Tatoaya qui s'exprime d'abord. Bien, bah écoutez, c'est vous le Président, donc je respecte votre décision. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Polynésie française, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants élus de l'Assemblée, chers collègues, Mesdames, Messieurs, bonjour. Conformément à l'article 185-14 de notre statut autonomie de 2004, l'Assemblée de Polynésie française doit se prononcer sur l'utilité publique des dépenses qui ont donné lieu à une déclaration en gestion de fait par jugement rendu par la Chambre territoriale des comptes le 4 avril 2006. Ces jugements sont devenus définitifs après avoir été confirmés en appel par la Cour des comptes, c'était en novembre 2007, et après le rejet par le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation intervenu en octobre 2008. En clair, 23 personnalités ont été déclarées et confirmées conjointement et solidairement comptables de fait, et les dépenses qu'elles ont générées représentent au total près de 231 millions de francs CP qu'elles pourraient rembourser. Alors, cette situation, ces dossiers appellent de ma part un certain nombre de commentaires que je tiens à vous livrer dès à présent. Tout d'abord, je constate que la justice a rendu son verdict final. La loi, en l'occurrence l'article 96 du statut d'autonomie de 1996, n'a pas été respecté et de l'argent public a été employé indûment. Deuxième commentaire que je voulais faire, et je rejoins ce que disait mon collègue Hiro Tefarere tout à l'heure, certains parmi les personnalités mises en cause ont reconnu leur part de responsabilité et ont annoncé très clairement qu'ils rembourseraient les sommes qui leur sont reprochées. Il s'agit en l'occurrence de notre ami et collègue Marcelin Lisson, que je tiens également à saluer et à féliciter et pour son courage et pour son sens des responsabilités. En revanche,
En revanche, il en est d'autres qui, eux, n'ont absolument pas reconnu une quelconque once de responsabilité. Et parmi ces personnes figure notre sénateur qui se permet de fouler aux pieds les décisions de justice. Je relève simplement quelques remarques que notre sénateur a livrées, notamment dans la presse ou bien par écrit. Ainsi, disait-il, la Chambre territoriale des comptes ne dit pas la vérité. S'agissant de la fameuse loi organique portant statut d'autonomie de 1996, notre sénateur invoque une fausse interprétation par le juge de la Cour des comptes. Et là, je cite, « J'estime pour ma part que c'est inacceptable de la part d'un haut représentant de la République française que de remettre ainsi en cause un des piliers de notre République, en l'occurrence la justice. La justice est en effet le garde-fou des dérives de notre société. Si la justice est mise à mal, c'est l'anarchie. Et à ce moment-là, chacun, en effet, peut être libre de faire ce qu'il veut faire. » D'autres arguments ont été également livrés et je souhaite revenir sur certains de ces arguments et livrer ma propre analyse. Un des arguments qui est revenu de manière lancinante dans tous les argumentaires qui ont été déployés et dans la presse et également par écrit ou verbalement, c'est le fait que certains considèrent que le payeur du territoire, c'est lui qui est fautif et c'est lui qui doit payer. Je rappelle, pour mémoire, que s'agissant d'une autre affaire, l'affaire de Anouar Nouraro, c'était le même argument qui a été mis en avant, à savoir, celui qui met en œuvre le paiement, c'est celui-là qui est responsable de cette affaire. En l'occurrence, pour ce qui est de cette affaire de Anouar Nouraro, c'était le ministre des Finances qui a été le bouc émissaire parfait, et à cette époque-là, c'était notre ami Georges Puchon. Donc, la théorie, la stratégie du bouc émissaire est quelque chose qui n'est pas nouveau dans la manière de se défendre. Je rajouterai également, s'agissant toujours de cet argument qui vise à imputer au seul payeur toute la responsabilité de cette irrégularité, je rappelle que l'ordonnateur a un rôle fondamental. Or, l'ordonnateur, dans tous ces processus, c'est le président du gouvernement. L'ordonnateur, c'est celui et c'est lui qui a donné l'ordre d'engager les dépenses dans les 14 dossiers qui nous sont soumis. C'est donc lui le premier responsable. Tout gestionnaire de fonds publics, qu'il soit maire, président de l'Assemblée ou président de la Polynésie française, le sait. Autre argument également que nous avons entendu, s'agissant du caractère de dépenses publiques. Pour ma part, j'estime qu'en effet, ce sont bien des dépenses publiques qui ont été occasionnées. Et ainsi que mes deux collègues précédents le disaient tantôt, il s'agit bien de dépenses publiques qui ont été effectuées au profit de communes et au profit de syndicats. Et s'agissant de ces dépenses réalisées au profit de ces collectivités communales ou au profit de ces syndicats, les tâches, les missions qui ont fait l'objet de ces rémunérations ont bien été réalisées. Et je pense que à ce sujet-là, c'est incontestable. Mais le problème, c'est que ces dépenses publiques ont été effectuées non pas au profit de la Polynésie française, alors que c'est celle-ci, c'est cette collectivité-là, qui a pris en charge les dépenses qui ont été engagées. Et c'est là toute l'irrégularité qui a été relevée par le juge. Un autre argument également que j'ai pu relever est le suivant, et je cite, « Ce qui était interdit hier est autorisé aujourd'hui. » Ce n'est pas nouveau, hein, ce genre de choses. Hein. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui, par le passé, étaient interdites et qui, aujourd'hui, se retrouvent autorisées. Mais décemment, on ne peut pas exiger d'être blanchi aujourd'hui parce que demain, ce sera autorisé. De même,
On ne peut pas demander à être blanchi de ce que l'on a fait hier parce qu'aujourd'hui c'est autorisé. Je pense que c'est une question de simple bon sens. Je rappelle également que si aujourd'hui le statut d'autonomie de 2004 autorise ce qui était interdit hier par le statut de 1996, c'est qu'en effet, ce statut a été modifié. Mais qui a demandé à modifier le statut ? N'est-ce pas celui qui savait qu'il avait commis une irrégularité à l'époque ? Question. Autre argument également que j'ai relevé dans les argumentaires, je cite, « Aujourd'hui, c'est moi qui fais les frais avec d'autres, mais demain, ce sera peut-être certains d'entre vous, et ils ne manqueront pas d'être surpris. » Quand j'ai lu cette remarque, je me suis dit, est-ce qu'il s'agit d'une mise en garde bienveillante ou alors d'une menace à peine voilée à destination des élus que nous sommes et notamment des élus gestionnaires de fonds publics? Là aussi, question que je pose. Et enfin, dernier argument que j'ai relevé, la thèse du complot de l'État, la thèse de l'affaire politique. Ou encore, et je cite encore une fois, « ça sent encore des magouilles en provenance de Paris ». Après avoir pactisé pendant plus d'une vingtaine d'années avec la plus haute sphère de l'État, cette remarque relève à mon sens du grotesque et du pathétique. Les magouilles, et là je reprends le mot qui a été utilisé, ne se sont pas faites à Paris, elles se sont faites plutôt et d'abord ici en Polynésie. Et il faut assumer cet état de fait. Alors en conclusion, je voudrais simplement dire que tout d'abord, ce n'est pas toute la classe politique qui est incriminée dans ces dossiers que nous avons à examiner aujourd'hui. Simplement et seulement quelques élus qui malheureusement ont donné de la politique et de l'autonomie dans la République française une image très négative, voire même honteuse. Il y a néanmoins une certitude. Je le disais tout à l'heure, mes collègues l'ont également répété à leur manière tout à l'heure aussi, la justice vient de trancher de manière définitive. Par conséquent, nous ne pouvons pas être plus légalistes que le censeur de la loi. Je vous remercie. Merci. Je demande au représentant Emmanuel Mumutu d'intervenir. Monsieur le Président, nous avons laissé notre temps de parole à M. Hiroté Farivi. Parole à Mme Lana Tetuanui. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Prétendu Chauffinoua, de mon fatriho, mon tiama etihio tenun a, unité ne peut pas api, totatone mon pape et ya, yorana maite, itene peut pas api. Je ferai mon intervention en français en préambule. J'aimerais quand même dire au premier intervenants du groupe Totato Aya, contrairement à ce que votre président du groupe a dit en ouverture de la discussion générale, je ne constate moi-même, moi qui prends la parole à cette minute près, que c'est bien et bellement le procès de M. Gaston Floss qu'on est en train de faire aujourd'hui au sein de cet hémicycle. Quand je comprends bien l'intervention de M. Schill ainsi que de M. Hiro Tefarere. Toutefois, on nous demande aujourd'hui de nous prononcer sur des propositions de délibération reconnaissant l'utilité publique des dépenses engendrées pour rémunérer, dans la période comprise entre 1996 et 2004, les personnels embauchés sous contrat cabinet à la présidence et mis à disposition de communes et de syndicats. À lire certains commentaires dans la presse
ou à entendre certains responsables politiques, il ne faudrait pas déclarer cette utilité publique car elle traduirait les travers d'un système qu'il faudrait condamner. Faut-il rappeler pourtant que malgré l'amalgame entretenu par une certaine presse et par certains responsables politiques, la mise en cause du président Gaston Flosse et de certains élus communaux ne relève pas du détournement de fonds publics et qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel. Ces mises à disposition, elles ont été faites dans l'intérêt des communes et les personnes concernées ont effectivement travaillé pour l'intérêt collectif au service des habitants de ces communes. Personne ne peut honnêtement remettre en cause cet état de fait. Je veux parler ici en tant qu'élu des Îles-sous-le-Vent, le cas de M. Émile Brodesson dans la commune de Taputapu-Watin. L'administration d'État, la démonstration en a été faite, était parfaitement au courant, puisque ces mises à disposition avaient fait l'objet de conventions et de délibérations de conseils municipaux visés par les administrateurs d'État. Vous-même, mes chers collègues, pour bon nombre d'entre vous, vous étiez également au courant de ces mises à disposition, soit parce que vous étiez et êtes encore élus municipaux dans les communes concernées, soit parce que vous faisiez partie des équipes ministérielles de Gaston Flosse lorsqu'il était président. La preuve, hier soir, à RFO, il y avait dans le journal un reportage où j'ai été un peu surprise de voir l'actuel aussi président du pays qui arrivait en grande pompe avec l'ancien président Gaston Flosse dans la commune de Houahiné. Merci de citer le nom de M. Marcelin Lison à l'époque maire, ainsi bien dans la commune de Taputapu-Watin. C'était un très bel reportage, surtout la veille de la discussion d'aujourd'hui. Sauf à faire preuve de beaucoup d'hypocrisie, il me semble difficile de parler d'un système dans lequel on a eu toute sa place. Et quand je parle de système, c'est pour reprendre un terme admis, mais pas nécessairement pour parler de dérive. Parmi les plus grands hypocrites, j'ai noté que l'actuel président du pays qui a fait campagne sur la nécessaire transparence de la gestion des fonds publics figure quand même parmi les premiers accusateurs de Gaston Flosse. Il y a 15 jours, il était encore au journal de RFO pour jouer les procureurs avec l'air de ne pas y toucher comme à son habitude. Pour reprendre une expression employée par M. Jean-Christophe Buissou en commission interne, attention à l'effet boomerang. La presse si rapide à se pencher sur le passé fait preuve d'une bien étrange mansuétude lorsqu'il s'agit d'observer le présent. Pourtant, ce présent montre bien que ceux qui veulent dénoncer des pratiques passées n'ont pas hésité à trahir leurs électeurs à qui ils avaient promis de laver plus blanc que blanc. Je ne reviendrai pas sur les conditions qui ont mené à la création du gouvernement du présent président M. Tong Song et sur la manière dont certains élus ont fait pour gagner leur ticket de ministre au sein du gouvernement actuel. Je vais parler de faits connus du grand public et notamment des emplois fictifs qui sont entretenus dans les cabinets ministériels aujourd'hui. C'est le ministre de l'Agriculture lui-même qui doit son portefeuille à sa capacité de faire chanter le président Tong Song qu'il a avoué benoîtement à la presse. Le 26 août dernier, Fernand Romataro a avoué en effet sans honte que son cabinet comporte des personnes qui n'ont pas été recrutées en fonction de leurs capacités et de leurs compétences dans le domaine de l'agriculture. Selon lui, sur les 15 personnes dont il a hérité du ministre précédent, il y avait 2 ou 3 personnes qui savaient travailler, tout le reste c'est du social, bref, des emplois fictifs. Le 28 août, le journal La Dépêche titrait « Après la divulgation d'effectifs pléthoriques et les soupçons d'incompétence et de désœuvrement, Gaston Tong Song rappelle le gouvernement à l'ordre. » Je n'invente rien. C'est bien le président actuel qui a confirmé dans une lettre circulaire à tous les ministres que les pratiques de son gouvernement, entre guillemets, je cite, « pouvaient engendrer des poursuites pénales pour détournement de fonds ».
Il ajoutait même que les juridictions financières seraient à même de se saisir pour prononcer des sanctions de nature financière en cas de gestion irrégulière. Faut-il vous rappeler que le seul véritable responsable de cet état de fait, c'est le président de la Polynésie française qui, comme le dit notre loi statutaire, nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, c'est lui qui signe tous les contrats. Dans ce même journal, nous apprenions également que le cabinet de M. Clarès Vernodon comptait 39 membres dans des emplois familiaux ou des personnes mises à disposition de fédérations sportives qu'elle préside. Croyez-vous qu'après ces révélations de ces ministres, le président ait fait évoluer les choses pour amener de la transparence dans sa gestion? Eh bien non. Il a tout laissé tel quel. Les inutiles et les incompétents sont toujours payés par le pays sans qu'on le sache exactement ce qu'ils font. Il y a même des gens qui sont censés travailler dans les cabinets ministériels, mais qu'en fait, on peut les rencontrer chaque jour dans les îles, comme par exemple le beau-frère d'un bien connu ministre marquisien, je parle en connaissance de cause, qui passe son temps à 7h30 du matin déposer son épouse au travail et qui vient la récupérer à 15h30 au même travail. Merci l'utilité publique. Dans ce jeu de cette famille, on a même retrouvé un fils qui est margé dans un cabinet ministériel pour plus de 400 000 francs par mois alors qu'il était scolarisé dans un lycée de Lille. Il se trouve que le montant du salaire était équivalent à quelque chose près au montant du loyer du ministre dans la résidence La Gambleu a été un ministre qui, contrairement à 30 de ses collègues, n'a pas pu emménager gratuitement dans une maison du pays. Je ne vous dis pas qui est le propriétaire qui a inscrit les loyers payés. De fait, sur des fonds publics, vous le connaissez tous. Non, M. Gaston Tangson n'a pas voulu toucher à son empire de corruption. Au contraire, à la veille des élections sénatoriales, le président a recruté au sein de plusieurs cabinets ministériels des élus communaux afin de s'assurer de leur suffrage. Quelques exemples, je le cite. Le maire de Hama, le maire de Tatakoto, un conseiller municipal de Veidatea, le premier adjoint de la commune de Arutua, le maire délégué de Tikeo ou encore des adjoints de Pirae. Ces personnes sont toujours en poste dans les cabinets ministériels et pour certains, le président souhaite les mettre à disposition de leur commune. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a consulté le Haut Conseil sur la légalité de ces mises à disposition. Et c'est pourtant ce même président, M. Gaston Tangson, qui vous a invité à ne pas reconnaître l'utilité publique des dépenses sous Gaston Floss. Par contre, lui, il veut faire ce qui était interdit hier. Merci, M. Schill, de le rappeler, ce qui est interdit hier est autorisé aujourd'hui. Est-ce que cela est conforme à la morale publique dont certains nous rebattent les oreilles? Cette morale publique, j'ai l'impression qu'elle est le plus bafouée par ceux qui la brandissent le plus haut. Que dire de cette élue qui semble une des plus acharnées contre Gaston Floss, mais qui a pu se faire transporter par l'avion du pays sur des fonds publics pour revenir de son lieu de vacances vers l'Assemblée où sa voix était importante, avant de repartir vers ce même lieu de vacances dans le même avion et en utilisant les fonds publics. Cet état de fait dénoncé dans cette enceinte n'a pas eu l'air de susciter les moindres remords chez l'intéressé, encore moins chez le commanditaire de ces allers-retours, à savoir le président du pays. Et pourtant, les deux ne cessent de nous parler des exemples qu'il faut donner aux jeunes. La corruption et le détournement de fonds publics sont érigés en système qu'il faudrait donc enseigner à notre jeunesse. Mes chers collègues, je connais également un autre champion de la morale publique, un qui n'a pas fini d'entendre des voix monter du fond de l'océan, surtout quand il s'écoute parler. Là, je m'adresse, et avec tous mes tripes, à mon collègue M. Hirote Farere, qui a aujourd'hui, merci de le rappeler, parlé de M. Gaston Floss et de M. Jacques Chirac. Amarulu Baya Floss et à Chirac et Hirote. Quel exemple donner à notre jeunesse? C'est simple.
Il suffit que papa crie bien fort, qu'il fasse du chantage, qu'il menace de faire basculer une majorité pour que sa fille ait enfin le CDI qu'elle attendait depuis longtemps. Je ne remets pas en cause la légitimité en bouche de cette personne, mais je mets le doigt sur le procédé parce qu'il était public. Et parce qu'il était public, c'est bien du chantage. Le dicton dit « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Et c'est de la même manière que ce collègue qui ne parle que d'intérêt général a été nommé à la tête d'un important établissement public alors qu'il avait contribué à son saccage et à son incendie quelques années plus tôt. Tout le monde admirera la bonne gestion de M. le Président dans ses choix. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Cet élu est plein de haine à l'égard de Gaston Flosse et du Tahoeira, tout simplement parce qu'un recours a été déposé en vue d'annuler sa nomination, mais surtout, ne parlons pas d'intérêt personnel. Gaston Flosse, lui, en tout cas, n'avait vu aucun intérêt personnel lorsqu'il est intervenu au haut lieu pour que ce moraliste en chef ne purge pas la totalité de sa peine après ses exploits qui relevaient de l'intérêt général, comme il a aussi bien dit aujourd'hui. Et même la peine d'inéligibilité d'un an confirmée en septembre 2001. Mes chers collègues, je viens de vous donner quelques exemples qui pourront faire dire à certains que toute la classe politique est pourrie. Je dis non. Certains hommes politiques ont leur travers. Certains hommes politiques usent leurs fonctions pour se maintenir au pouvoir ou pour acquérir une parcelle de pouvoir. Même si pour cela, ils doivent se mettre en parfaite connaissance de cause hors de la loi. Dès lors, il appartiendra aux juridictions pénales de juger ces faits. Mais dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit que d'une procédure administrative qui n'a pas été respectée au dire de la Cour des comptes. Il n'y a pas de manœuvre frauduleuse, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il ne s'agit que de personnes qui ont effectivement travaillé pour des collectivités. Ainsi, je vous demande donc de vous prononcer en connaissance de cause et en conscience. Ne vous prononcez pas au nom d'une morale qui n'a pas été bafouée dans ce dossier, mais surtout ne condamnez pas avant d'avoir effectué votre propre examen de conscience. Je vous remercie de votre attention. Maruru, je demande à René, M. René Kohumwetini d'intervenir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, recevez mes salutations les plus sincères. Nous sommes saisis de 14 propositions de délibération visant à reconnaître l'utilité publique de dépenses relatives à la mise à disposition auprès de communes ou de syndicats de personnels employés alors au cabinet du président de la Polynésie française. On pourrait croire que tout a déjà été dit avant même que nous ayons aujourd'hui à en débattre. Une campagne de presse odieuse et quasi quotidienne, menée par un journal ouvertement anti-Flosse, a par avance condamné l'ancien président et a tenté de vous dicter la conduite à tenir. Cet acharnement médiatique, qui comportait beaucoup de désinformation, volontaire qui ne fait ni honneur à la profession ni au groupe propriétaire du journal, n'avait qu'un seul but, placer les élus dans une position délicate pour voter en conscience. D'ailleurs, en commission, notre collègue Jean-Christophe Busseau a reconnu que tous ces sujets ont été manipulés par la presse. Vous l'avez compris, je partage cette opinion. Les sujets ont été manipulés et on a tenté de nous manipuler.
Toujours est-il, mes chers collègues, qu'avant même que notre Assemblée ne soit saisie du dossier, cette presse avait été destinataire d'éléments qui lui ont permis d'instruire un procès à charge qui, bien évidemment, a influencé le jugement des lecteurs qui n'avaient pourtant qu'une version tronquée des choses. Et nous faisons bien évidemment partie de ces lecteurs que l'on a cherché à influencer, tout comme l'opinion publique en général. Quoi qu'il en soit, je souhaite ici tenter d'apporter quelques éléments de réponse ou de commentaires à certaines déclarations que vous avez pu tenir, mes chers collègues, et qui permettront sans doute de replacer les choses dans un contexte qui a été perdu de vue au regard de cette campagne de désinformation. Permettez-moi de le dire, chers collègues, cette réflexion est absurde et traduit une parfaite méconnaissance du droit. Tout comme est absurde la réflexion de mon ami Robert Anceau, qui au sortir de la commission des finances, déclarait à la presse, nous ne pouvons pas nous placer au-dessus de la loi et c'est uniquement dans cet esprit que nous avons pris notre décision. Ce qui a prévalu dans la décision finale, c'est de faire respecter la loi. C'est absurde parce que, justement, c'est en droit et conformément à la loi que nous sommes saisis en vue de déclarer ou non l'utilité publique. Le droit et la loi nous offrent pleinement la possibilité de voter cette déclaration d'utilité publique. Sur le plan du droit et de la loi, il n'y a donc rien de répréhensible ou de contraire à la morale de voter favorablement les propositions de délibération qui nous sont soumises. D'ailleurs, dans d'autres affaires, comme celle de la caisse sociale de la prison de Nountania en février 1988, qui impliquait un fonctionnaire d'État, notre Assemblée avait déclaré l'utilité publique des dépenses engagées. De même, notre Assemblée avait déclaré d'utilité publique, en décembre 1997, les dépenses effectuées par l'Association de promotion touristique de Tahiti et ses îles. Il n'y a donc rien de répréhensible à voter une utilité publique quand la juridiction financière a déclaré la gestion de fait. Dans l'affaire des accords de pêche franco-coréens, c'est le Parlement qui a été saisi du dossier de déclaration de gestion de fait par la Cour des comptes. Ce Parlement qui a reconnu l'utilité publique, le Parlement s'est-il placé au-dessus des lois? Non, bien sûr. Il a voté dans le respect du droit et de la loi. Dans un cas comme dans l'autre, ce qu'ont cherché l'Assemblée de la Polynésie ou le Parlement, en reconnaissant l'utilité publique, c'est à donner une base légale à un acte qui en était dépourvu. Je me permets un parallèle avec l'affaire de la mise en place de notre CST. Notre Assemblée a autorisé la Polynésie française à prélever sur les contribuables une contribution de solidarité. Cette contribution a été perçue jusqu'au moment où les tribunaux ont annulé la base légale de notre délibération. Est-ce que la Polynésie a remboursé plusieurs milliards à tous les contribuables qui avaient été taxés sans base légale? Non. Qu'avons-nous fait? Nous nous sommes tournés vers l'État pour que le Parlement valide l'intérêt général de cette taxation. Vous le voyez, mes chers collègues, il n'y a rien de contraire à la loi que de chercher à donner une base légale à certains actes qui en sont dépourvus. J'entendais également notre collègue Jean-Christophe Buissou admettre jeudi sur RFO Radio que, je le cite,
sur la base d'interprétation de l'article 96 du statut de 1996, effectivement, on peut penser que le territoire pouvait mettre à disposition du personnel pour collaborer sur le plan technique. Je crois que Gaston Flosse était dans une position où il n'avait pas suffisamment d'informations pour prendre une décision claire, et je crois que l'on peut croire en sa bonne foi. Là encore, il y a bonne foi. C'est ce que soutient Gaston Flosse et ce que reconnaît Jean-Christophe Busseau. S'il y a une bonne foi donc, comment peut-on parler, comme l'ont fait les magistrats de la Cour des comptes, de manœuvres occultes? Même notre collègue Busseau reconnaît que son interprétation du statut de 1996 permet de penser que ces mises à sa disposition étaient possibles. Il reconnaissait également sur Radio Tefana, jeudi dernier, que les personnes qui ont été recrutées à l'époque ont travaillé dans les communes et ont travaillé dans les missions des communes. Comment qualifier autrement l'utilité publique? J'ai du mal à comprendre que vos raisonnements vous amènent à dire, comme l'a fait notre collègue Lissant, à notre sens, tout a été fait dans les règles, mais nous voterons contre l'utilité publique. C'est incohérent. Alors, j'ai entendu aussi notre collègue Jean-Christophe Puissot s'interroger au final sur la légalité de mettre à disposition d'une commune un élu de cette même commune, et ce même dans le cadre du statut de 2004. Je serais tenté, mon cher Jean-Christophe, de vous dire, de vous adresser au président Thompson pour avoir la réponse. Le président Thompson a recruté au sein des cabinets de son gouvernement plusieurs maires, plusieurs adjoints, plusieurs conseillers municipaux, et sans doute inquiet de la tournure que prenaient les événements, sans doute apeuré par le fameux effet boomerang dont nous avons parlé en commission. Gaston Thompson a interrogé le Haut Conseil le 17 octobre dernier. Sa question était de savoir si les dispositions de la loi statutaire de 2004 autorisent à mettre à la disposition d'une commune un de ses élus municipaux préalablement recruté en cabinet ministériel. Que lui a répondu le Haut Conseil le 23 octobre? Au terme d'un développement juridique argumenté sur deux pages, le Haut Conseil estime que la lecture combinée de la loi organique, du code électoral et de la jurisprudence conduisent à penser que la situation de fait évoquée dans votre courrier n'est pas contraire à la loi. Donc, a priori, ce que la loi nous aurait interdit hier serait autorisé aujourd'hui. Voilà le paradoxe qui vous amènerait à rejeter l'utilité publique. L'ancien président de la Polynésie n'aurait pas pu faire ce que le président actuel pourrait faire. Ce qui est d'utilité publique aujourd'hui ne l'était pas hier. Mais attention, ces deux juristes ne disent jamais la même chose. Comme deux juristes n'ont jamais la même interprétation des textes, le Haut Conseil, dans sa conclusion, met un bémol de sa démonstration. S'il estime que le président de la Polynésie peut mettre à disposition des élus communaux, il ajoute que cette appréciation ne met pas à l'abri de l'appréciation contraire du juge. Voilà comment, en pensant qu'on agit dans la plus parfaite légalité, au regard de l'interprétation des textes pas d'éminents juristes, on peut se retrouver condamné parce que le juge n'a pas la même appréciation. Je dis ça pour notre collègue Nicolas Pertolon, qui, en commission, avait avancé que nous sous-entendions, en demandant l'utilité publique, que les éminents juristes se sont trompés. Oui, oui, monsieur Pertolon. D'éminents juristes peuvent se tromper ou être contredits par d'autres juristes. Mes chers collègues,
Le droit est tout, sauf une science exacte. La loi est tout, sauf figé. Ce que l'on pense légal peut être illégal. Ce que la loi a fait, elle peut le défaire. Il faut aborder ces dossiers avec recul et raison. Ne vous laissez pas emporter par une opinion publique unanime, comme l'avançait Gaston Thompson pour influencer votre vote. D'abord parce que l'opinion publique est tout sauf unanime, surtout depuis qu'elle commence à comprendre que les représentants de l'État étaient parfaitement au courant de ces mises à disposition. Ensuite, parce que ce serait échapper à vos responsabilités propres que de réagir uniquement en fonction de la vox populi qui a été sciemment trompée et désinformée. J'ose espérer que les arguments qui ont été avancés dans cet hémicycle pour voter contre ces délibérations relèvent d'une mauvaise appréciation et qui ne cherche pas à masquer sous couvert d'un pseudo-juridisme, d'une pseudo-morale publique, une décision de pure opportunité politique. Je souhaite en tout cas, mes chers collègues, que vous votiez en parfaite conscience et pas par discipline de groupe. La discipline de groupe n'est qu'une discipline politique, car elle ne permet pas de se positionner en conscience. Aussi, je vous invite à méditer cette déclaration du président du groupe Toto Aya sur Radio Tefana jeudi dernier. Je le cite, « Il n'y a pas d'obligation absolue à suivre une consigne de vote. Moi, je comprends tout à fait que certains aient envie de s'exprimer en fonction de leurs convictions. Mes chers collègues, je vous invite à mon tour à vous exprimer de la sorte, sans esprit de parti, sans esprit partisan, sans chercher uniquement à nuire à un homme. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le représentant. Monsieur Frédéric Rivetta, vous avez la parole. Maruru. Monsieur le Président de la Polynésie, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames, Messieurs sur la presse, et puis chers publics qui auront. Nous sommes invités par Monsieur le Président de la Polynésie française, lui-même saisi de ce dossier par Monsieur le Président de la Chambre territoriale des comptes, à nous prononcer en application des dispositions de l'article 185-14 de notre loi statutaire sur le caractère d'utilité publique ou non des diverses dépenses de rémunération reprises dans des jugements de déclaration de gestion faite de cette juridiction engagée durant la période des années 96 à 2004 par le chef de notre exécutif local de l'époque, M. Gaston Floss. À la base de ces jugements, il nous faut être particulièrement précis dans le choix des mots pour ne pas prêter à ambiguïté dans une matière déjà complexe pour le commun des individus. Il y a essentiellement pour la juridiction financière les possibilités effectives ouvertes à l'époque des faits pour procéder à l'embauche au sein du cabinet du président de la Polynésie française de personnes mises simultanément à la disposition d'organismes tiers, communes, syndicats ou associations avaient anticipé sur ce qu'elles sont aujourd'hui depuis l'entrée en vigueur de notre statut de 2004.
La Chambre a estimé que les voies et les procédures qui ont été mises en œuvre pour réaliser ces opérations de mise à disposition étaient contestables en droit, en tant que la transparence au regard du comptable public n'avait pas été parfaitement garantie, le tout conduisant quasi mécaniquement à engendrer, selon le jargon technique, une extraction irrégulière des deniers publics de la Polynésie française. Or, faut-il encore que j'énonce que dans cette période censée être propice à la réconciliation de tous, que les protagonistes de cette affaire ont droit, comme tout un chacun, non pas tant au respect du principe de la présomption d'innocence, nous ne sommes pas en effet dans une procédure de nature pénale, mais dans une procédure de nature administrative, qu'ils ont au respect de leur personne, de leur dignité humaine. Si je dis cela, c'est parce que j'ai trop vu, spécialement dans une certaine presse, tous les deux jours, au moins depuis plusieurs semaines, comme un feuilleton ou un happening savamment orchestré, de plusieurs, des allusions, des commentaires, des rappels, des amalgames avec d'autres affaires au pénal, par des interviews chocs et un compte à rebours de tous les épisodes qui ont conduit à notre saisine de ce jour. C'est aussi parce que j'ai lu l'impatience de certains à donner au fait des connotations malveillantes pour atteindre les hommes en cause et les discréditer tant au plus et plus aux yeux de leurs compatriotes. J'ai enfin quasiment lu qu'un verdict de culpabilité était rendu pour tous avant même l'achèvement des procédures et des voies de recours offertes à chacun. Certains allant même jusqu'à réclamer à l'État la mise en œuvre, je cite, d'une grande opération de main propre en Polynésie, à l'image de ce que l'Italie a connu pour lutter contre le crime organisé, la camorra ou la mafia. Bien sûr, je ne suis pas, et personne n'est dupe, cette démarche malfaisante, mesquine et minable vise d'abord au-delà pour certains à chercher de vendre, à vendre du papier. Face notamment à une activité gouvernement à tonnes, à atteindre la personne qui fait le lien entre tous les protagonistes de cette affaire. Acteurs aujourd'hui partagés entre les bancs de la majorité et ceux de l'opposition. Je veux évidemment parler de M. Gaston Floss et au-delà de lui-même, le parti auquel j'appartiens et tous ses militants, comme peut-être une revanche, une vengeance sur le résultat des dernières élections sénatoriales. Personnellement, je ne veux pas m'abaisser à raisonner de la même manière que mes contemporains les plus zélés. Je ne suis pas procureur ou juge, encore moins un juré d'assises à qui reviendrait la lourde responsabilité de décider du sort malheureux de certains de mes compatriotes, par ailleurs de mes amis. Mes chers collègues, je vous invite instamment à rechercher dans cette posture de sérénité, de responsabilité, celle d'un élu, conscient de son rôle et parfaitement informé de ce que l'on attend de lui, pour répondre à l'intérêt public. Ne nous laissons pas manipuler ni instrumentaliser par des fonctionnaires, par ailleurs parfaitement respectables, en tant que tels, qui ont pour responsabilité d'appliquer a posteriori des tests sans avoir la charge difficile d'administrer directement et au quotidien un pays complexe. Ne laissons pas plus, mes chers collègues, aux médias la responsabilité de nous dicter nos actes d'élus au nom du soi-disant quatrième pouvoir que notre République ne reconnaît pas en tant que tel. D'autant que dans cette affaire,
La vraie sanction qui doit nous revenir, c'est la sanction politique. Et Gaston Floss, le premier, nous l'avons subi directement du peuple en 2004, en perdant le pouvoir. Et cela, malgré tout, ce que nous avons fait, tout ce que Gaston Floss a fait de positif pour ce pays et qui n'est qu'en contesté par quiconque dans cet hémicycle et en dehors. Alors, bien sûr, vous pourriez craindre de devoir supporter la critique que j'ai vue déjà pointée dans certains articles de presse, que les personnes poursuivies dans la procédure qui nous occupe, si nous reconnaissons le caractère d'utilité publique aux dépens les concernant, rien de plus faux qu'une telle assertion dès lors qu'ils n'ont pas participé aux décisions de notre Assemblée les concernant et sont absents de cet hémicycle. Rien que de plus faux aussi dès lors où, comme je l'ai déjà mentionné avant, nous nous trouvons placés ici dans le registre d'une procédure administrative et non pas pénale. Faut encore car, pour autant que notre Assemblée déclare bien l'utilité publique des dépenses en cause, le juge des comptes, dans la suite de la procédure, est susceptible à la lecture des textes et des déclarations publiques du commissaire du gouvernement de la Chambre de décider de prononcer des peines d'amende à l'égard des protagonistes de l'affaire du fait de non-respect des procédures de droit. Vous précisez parfaitement, mes chers collègues, que notre responsabilité présente est d'avoir à se borner à décider du fait de dire que les dépenses qui ont été exécutées et qui sont comprises dans les déclarations de gestion, de fait, l'ont été ou non, en définitive, avec une utilité publique et pas plus que cela. Le rapport de présentation du dossier qui nous occupe apporte déjà quelques éléments de réponse allant dans le sens d'une telle reconnaissance. Notre loi statutaire actuelle, dans son article 54, alinéa 2, est venue explicitement clarifier les choses et légaliser la possibilité que des personnels du cabinet servent en dehors du périmètre du pays et spécialement au sein de nos communes pour les aider à s'administrer. Mais plus que cet argument juridique, mon choix sera guidé par l'idée que notre responsabilité d'élu n'est pas de juger les hommes, encore moins de juger les hommes dans leurs actes anciens réalisés dans un cadre législatif. Prêtons à interprétation. Notre rôle, c'est surtout de savoir tirer des leçons des erreurs commises et de s'engager à plus de reproduire à l'avenir, soit en prenant des textes qui conviennent, soit en changeant nos comportements. Là est notre défi, là est notre rôle, là est la valeur d'exemple que nous avons à montrer à notre population. Personne n'est vraiment à l'abri. Demain, la juridiction financière pourra nous saisir pour des opérations d'achat d'un montant d'ailleurs bien supérieur à celui qui nous occupe maintenant, d'un tel bien hôtelier à l'étranger ou d'un tel terrain dans un district proche de la presqu'île de Tahiti. Que ferez-vous alors? Vengeance? Revanche selon les mots d'ordre de ce moment-là? Non, mes chers collègues, on n'attend pas de nous que nous regardions sans cesse dans le rétroviseur. Soyons capables de faire preuve de mansuétude et de sentiments humain, de tirer des leçons du passé, de changer nos comportements et notre façon de gérer les deniers publics. Nous devons nous montrer dignes du mandat qui nous a été confié, surtout dans une période de recul économique, comme celle que nous subissons actuellement. Aussi, mes chers collègues, sans rien méconnaître des erreurs commises, c'est avant tout à ce niveau de responsabilité, à cette hauteur de vue et de réflexion que je vous appelle, car elle seule correspond à la hauteur de nos responsabilités d'élus. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, monsieur le représentant. Monsieur Tevaro Fritsch, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le président de la Polynésie française, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les ministres, présents parmi nous, avec de belles couleurs, mesdames, messieurs les représentants, chers collègues, mesdames, messieurs du public, chers amis qui nous suivez par le web. Je voudrais commencer, monsieur le président, par nous relire pour tous l'article 96 du statut de 1996. En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'État ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements, ainsi que leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes, programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leur domaine de compétences. Je viens de vous lire l'article 96 parce que le sujet est là aujourd'hui. Et nulle part ailleurs, même si la tentation est grande, de sombrer dans un pathétique hors-sujet. Un pathétique hors-sujet. Au terme de cette discussion générale, comme vous tous, mes chers collègues, j'aurai, en application des dispositions de l'article 185-14 de notre loi statutaire, à exprimer mon vote sur plus d'une dizaine de propositions de délibération rejetant le caractère d'utilité publique de diverses dépenses de rémunération engagées durant la période des années 96 à 2004 par M. Gaston Flosse, reprises dans divers jugements de déclaration de gestion de fait de la Chambre territoriale des comptes. C'est avec une relative sérénité et totalement libre de mes opinions et de mes actes que j'accomplirai mon devoir d'élu, en étant convaincu, mes chers collègues, que les dépenses en cause revêtent bien ce caractère d'utilité publique. Pourquoi en suis-je si convaincu, me direz-vous? D'abord, parce que la rédaction de notre loi statutaire en 96, par sa grande largesse de rédaction que je viens de vous lire, pouvait donner à penser de parfaite bonne foi tant au président de notre pays qu'aux responsables municipaux et aux autres personnes impliquées dans les procédures en cause, que la mise à disposition de personnel de cabinet au profit des communes était une chose régulière. D'ailleurs, si régulière que le législateur en 2004 ne la dénonçait pas, mais l'a précisée explicitement dans notre statut actuel. Monsieur Schill, l'article 96 que je viens de vous lire n'interdisait pas, mais il ne précisait pas. Et c'est ce qu'on nous reproche aujourd'hui. C'est ce qu'on reproche aux personnes sur lesquelles nous allons devoir nous prononcer aujourd'hui. Aujourd'hui, l'utilité publique a été reconnue par la loi et votée par le Parlement, dans le cadre d'une loi organique qui, faut-il le rappeler, dans la hiérarchie des normes, se situe après la Constitution. Ensuite, cette utilité publique me semble incontestable dès lors où les deniers publics, les deniers en cause, n'ont pas été détournés de leur objet, à savoir servir à la rémunération des personnels ainsi mis à disposition, que ces agents ont incontestablement produit un travail effectif au profit de la collectivité qu'ils servaient, et que les fonds en cause ont bien été maniés par les mains du seul comptable public habilité à le faire. Par les mains du seul comptable public habilité à le faire. Enfin, il me semble effectivement que les juges font une erreur d'appréciation en ayant considéré que la procédure mise en œuvre à l'époque présentait un caractère occulte et de dissimulation. Dès lors où il est patent que le représentant de l'État en Polynésie française et les chefs des subdivisions administratives de l'époque
ont eu connaissance des procédures en cause, notamment dans le cadre du contrôle a priori des actes communaux, sans s'y opposer ni les rejeter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je comprends bien, pour ma part, les propos de M. Floss, lorsqu'il s'indigne de voir dans l'attitude technicienne ou technocratique des magistrats et dans la défausse des représentants de l'époque des services de l'État, laver de fait de tout reproche un complot de celui-ci. Le terme est fort, celui du complot, et a pu choquer certaines oreilles chastes, notamment celles qui le sont par pur opportunisme. Dans cet hémicycle, comme à l'extérieur de celui-ci, à tout le moins, vous admettrez aisément avec moi que dans cette affaire, les personnalités mises en cause dans ces procédures ont été, à bien des égards, mal éclairées des risques qu'elles prenaient. Dire cela, c'est aussi reconnaître, à la décharge de M. Floss et de toutes les personnes poursuivies, une défaillance profonde de ses proches collaborateurs, ses conseillers et de l'appareil administratif, alors qu'ils avaient pour rôle de l'éclairer utilement et de réagir négativement quand il aurait fallu qu'ils le fassent en toute diligence. Mais dans le propos fort de M. Floss, je discerne aussi qu'il puisse être, à juste titre, révolté du mauvais sort que lui témoigne aujourd'hui l'appareil d'État. Lorsqu'on constate, preuve à l'appui, que celui-ci, malgré l'aura dont il bénéficie et s'est usé, puisse être d'une part donneur de leçons, alors qu'il est manifestement faillible dans le respect de la loi, et d'autre part avoir des attitudes sélectives dans les suites qu'il peut réserver à certains dossiers. Dès lors que ses propres responsables et de bons amis à lui sont en cause. Respect de la loi, certes, chers amis. Avons-nous la même loi pour tous? Cela, mes chers collègues, je ne le dis pas à la légère. Pour cela, je voudrais moi aussi lire avec vous, rapidement, un autre rapport de la Chambre des comptes, instructif, édifiant. Celui, le rapport d'observation définitif, produit le 24 janvier 2002, Monsieur le Président, par la Chambre territoriale des comptes sur la gestion, par M. Gaston Tanxang, du syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française. Et je parle bien de la Chambre des comptes de Polynésie française. Que trouve-t-on dans ce document si intéressant? D'abord, on y relève que durant des années, l'État, c'est-à-dire le Haut-Commissariat de la République, avec la complicité du président du SPCF d'alors, a utilisé contre la lettre même de l'article 221-10 du Code des communes les ressources de cet organisme, censé soutenir exclusivement les communes, comme un budget annexe, une sorte de cagnotte dans lequel il pouvait puiser allègrement pour faire face à ses frais de fonctionnement et d'équipement. Monsieur le Président, au chapitre 9 de ce rapport, intitulé « Dépenses de l'État prises en charge par le SPCF », on y relève, je cite, « Le contrôle des comptes du SPCF montre que de nombreuses dépenses incombant à l'État ont été prises en charge par cet organisme. Outre les emplois évoqués au paragraphe 3 ci-dessus, on peut citer des achats de mobilier et de fournitures de bureaux, de matériel et de fournitures informatiques et bureautiques, des prestations d'entretien de matériel informatique, du matériel et de la documentation technique, des ouvrages juridiques. » Dans la même veine, on lit plus loin, Monsieur le Président, je cite toujours, « Le SPCF a pris en charge de nombreux frais de transport et déplacement concernant des fonctionnaires de l'État qui intervenaient dans le cadre de leur mission d'État, chef de subdivision administrative, directeur et chef de bureau de la MAFIC et de la DAT. » Fin de citation. Selon certaines informations qui m'ont été communiquées et que je n'ai pas eu le moyen de vérifier, Monsieur le Président, le montant global estimé des sommes en jeu, soustraites du SPCF pour bénéficier en totale irrégularité, comme le souligne la Chambre des comptes, au service du Haut-Commissariat, atteindrait plus de 2 milliards de francs pacifiques, Monsieur le Président, au préjudice direct de nos communes. Là où le rapport est en revanche très précis, c'est pas moi qui parle, c'est la Chambre des comptes.
c'est pour tout ce qui concerne, je cite, les recrutements irréguliers effectués par le président du SPCF sur le budget de cet organisme, je cite toujours, de 5 personnes travaillant dans les services de l'État. C'est précis, Monsieur le Président. 2 à la mission d'aide financière et de coopération régionale, la MAFIC, dont 1 au bureau des affaires communales et 1 au bureau de la programmation, 2 à la direction de l'assistance technique et 1 à la direction de l'administration et des finances. DAF. Fin de citation. Et la Chambre de poursuivre en précisant que ces recrutements par le SPCF sont irréguliers. Ces recrutements sont irréguliers puisqu'il s'agit en fait de recrutements pour le compte de l'État, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L221-10 du Code des communes. Reprochant au SPCF, je cite encore, d'avoir accepté de recruter du personnel dont il n'avait pas besoin pour le compte de services qui lui étaient extérieurs, les 10 services ayant procuré au SPCF par prélèvement sur le FIP les moyens financiers qui leur faisaient défaut pour leur permettre de recruter et de rémunérer eux-mêmes ces personnels. Monsieur le Président, on ne peut pas mieux traduire à la fois la collusion ayant existé entre l'État et le président du SPCF, seule habilité à recruter, et le tour de passe-passe mis en œuvre par des fonctionnaires de l'État pour extraire irrégulièrement des deniers publics. Mais dans le champ de l'impossible, le président du SPCF a fait mieux encore. Selon toujours le rapport, passé bien inaperçu à l'époque, en 2002. Ainsi, à ses paragraphes 3 et 7, on peut lire que le SPCF, le Haut Commissariat et le Tribunal partagent la responsabilité du, je cite, « coûteux échec » du projet d'informatisation de l'État civil conduit par le syndicat. Coûteux, c'est un euphémisme, Monsieur le Président. La Chambre ayant chiffré les dépenses totales de ce projet à 293 985 000 francs CP, sans résultat tangible. Ces dépenses, pour le moins conséquentes, c'est le résultat de l'amateurisme et de l'aveuglement du président du SPCF, dès lors où, comme nous dit le rapport, le projet a été lancé, et je cite, Monsieur le Président, « sans attendre d'avoir des certitudes juridiques nécessaires sur la régularité de son intervention dans une matière relevant d'une compétence exclusive de l'État » n'étant pas délégable aux communes. On parle de l'État civil. Mes chers collègues, je vais m'arrêter là, dans la relation des éléments croustillants de ce rapport, que je vous incite pourtant à lire. Il est accessible à tous. Pour avoir une idée juste des défaillances que l'État peut aussi avoir dans le respect de la loi, de surcroît lorsqu'il est aidé dans ses actes par une main complice et complaisante. Nous sommes loin de l'image d'Épinal, Monsieur le Président, que certains veulent se donner, ou que certains d'entre vous ici présents veulent avoir, ont et donnent à l'extérieur de cet hémicycle. Mais le plus grave, et c'est là tout le rapport avec la situation que nous devons juger aujourd'hui, c'est que ces faits irréguliers, selon les mêmes dires de la Chambre, qui témoignent à l'évidence d'une extraction irrégulière des deniers publics, n'ont jamais été poursuivis, jamais, par la juridiction financière. Est-ce parce que des hauts fonctionnaires de l'État sont en cause qu'il serait malséant de leur reprocher? Est-ce parce que le président du SPCF de l'époque, M. Tongsong, est l'auteur de ces faits irréguliers au bénéfice direct des services de l'État? On a oublié un dossier sous la pile? Toujours est-il qu'il y a bien deux poids et deux mesures. C'est là le sens de ma démonstration, Monsieur le Président. Loin de moi vouloir juger ce qui a déjà été jugé par la Cour des comptes. Mais en ce sens, on comprend mieux les propos de M. Floss lorsqu'il parle de complot. Chers amis, moralistes, vous constatez comme moi, lecteur Benoît de ce rapport de la Chambre des comptes, que je viens de vous citer, que la notion d'extraction irrégulière peut tantôt jouir de la souplesse d'interprétation, tantôt souffrir de la rigidité arbitraire du censeur a posteriori. Où est la morale dans tout ça? Tout ça n'a rien à voir avec la morale, Monsieur le Président. Nous sommes aujourd'hui, pas pour parler de morale, mais de l'interprétation de l'article 96 du statut de la Polynésie française en 96. La question est de savoir de quel côté du fusil on se situe et qui on veut abattre.
C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de mes collègues de la majorité. Mais ne vous cachez pas derrière la morale. Seule l'ouverture par la Chambre d'une procédure sous les faits que je vous ai cités plaiderait en sens inverse et serait surtout le témoignage d'un égal traitement de tous devant la loi. En toute hypothèse, j'inciterai le président actuel du SPCF, SPCPF, à faire le nécessaire pour que force reste à la loi, même dans ce cas précis. Et je n'ai aucun doute, mes chers collègues, vous qui allez voter l'inutilité publique dans les dossiers qui nous occupent, que vous soutiendrez sans réserve cette démarche, la même loi pour tous. Tant vous avez chevillé au corps l'exigence de légalité et de moralité que vous semblez vouloir exprimer aujourd'hui dans un vote sanction. Mais il est toujours temps de vous ressaisir, au moment où vous allez avoir la responsabilité de dire en quelque sorte la culpabilité ou l'innocence de certains d'entre nous. Je vous invite, en ayant à l'esprit les faits que je viens de commenter, à avoir une vision plus humaine, plus réaliste et plus équilibrée des choses. Ce n'est pas Floss qui vous demande aujourd'hui de vous prononcer. C'est notre statut, le statut Estrosi, qui prévoit que nous répondions par oui ou par non quand le juge des comptes ne sait pas. Parce que le juge des comptes ne sait pas s'il y a utilité publique et nous demande à nous, élus, de répondre par oui ou par non. Alors ne fuyons pas nos responsabilités et surtout ne vous trompez pas de procès. Mieux, je vous exhorte à ne pas vous cacher de vos responsabilités personnelles derrière une discipline de groupe, ce qu'on appelle le suivisme, par nature bête et méchant, dans laquelle tout le monde étant responsable, plus personne de précis et devient responsable, c'est le groupe. Je vous convie avec la même force à ne pas abdiquer votre libre arbitre et votre conscience personnelle. Je vous incite à ne pas céder devant une attitude populiste, mal éclairée de la réalité des choses et manipulée par une presse malveillante. Je vous demande tout simplement d'être des Polynésiens charitables et de résister à la tentation de couper la tête de celui à qui vous devez souvent beaucoup, et beaucoup plus que moi, si ce n'est même tout parce que vous voulez vous venger de lui et qu'il est un obstacle à des jeux d'appropriation du pouvoir. Je vous demande enfin et surtout de reconnaître comme une intime conviction qu'il y a dans ce dossier de nombreux éléments plaidant en faveur d'une reconnaissance de l'utilité publique des dépenses en cause. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le représentant. Madame Théoura Iriti, vous avez la parole. Ho e no reo e tatu, te aro whai arhei. Te roto tatu i te pia apor arhei te imhana. Te wahi e tua tapapai, e tau aprauai, te whea i ma i te e nun a tatu hia. I ni ai te teif anhor a mai te e, no te taat o ar a, o i hau no te nun a ma oi. I te teimi mata mua i te ame e iau i roto i te apor arhei. Ua papu ia ue, e ai tātu whā, tā te motia, i maiti hia i te nūna, o ia hei, i mi te morawe a toa ia meit eito o e whenua. E teie to ureo i te rara teimei roto i teie pia. Te ti aturine ia ue, te mau pupu pori te tangatoa, teie titaurai te ora no tōna nūna. Nā te whanhor ara, nā te arata ir ara, e at a ea tātou. Te ye pui pui, ho e noa uir a, te tuhi a meru tupui tātou, e te piahi upu ar a numera ke hau. Wā rave moua nei te ye nau hauru mamhata ata, i te hui pāno te meit e o te nūna, i tano ai te hau whenua, i te au fōr ai a rātou. Tra te uira. Wā rave moua nei te ena horu mamhat atai te hui pāno te meit ei no oe te nūna. I tano ei te hau whenua i te ofur a ia rātou. Te e hui pā,
Des pratiques inacceptables dont souffrent nos citoyens. Et hiro, iroto ite ye huipata tato e tua takapara ite imhana. Wa fan on to tawa hui atira. E wa ite o, ite reira. Oia. Tena o at oara o hiro tef arere, maururu e titi, tavana teito no hua hine. Oe teif ar i te ye hape. Tei hea hape. Inha, warawe hua te yeti atona I tuhipano tona huir atira, e met eno tona huir atira. Te wahi papura, no tona, no to rato hin aru e tumaro ya Gaston Flos. E tero ai oia, e fa I te reira. E ha hui oreai, e munita verama, e ere te reira I te fifi. E pe noa ya ofo. Te wahi fof ara, ya tuma ya hua o Gaston Flos. Hoi mai tatou in eitenir a te ena mutawana I te raratau. Watari mahi a te te prof au, I rotupu I te prete mo te whenua e te ye mutawana. Te ye mo prof au, te if a te rohi e rotu itrima o te tomitera teitei. E tona mutia. Hauf a hautu. Waf ar I te tiat haufrani hap o rai te peo te ofour ai te maurawa ahipa. I tau waf aur ara, I ofo ai o iaia rato. Te proraha ei, ta tato papature I te matiti eiva huru maono, te irawa eiva huru maono. No te fahotur ai te peo te fofa, o te totiare, e o te ihotumu, e te aroai te haufrani, ore rai te haufenua. Te hauwhenua. I te tua tui te tei tauturu fauwha anei, are rā te tei tauturu o te pau te arawhi I te mō oire. E tēnau atu te tei tauturu, I nin ai te tei mō opuar a te oire e met e iei tui rātira. Tein e I tau papaturera, I rawe iei o Gaston Flos tau af au tira ara. Te I tērai e tātou e, ho e amon o tō te hauwhenua, E tō te hauwharani, in e te irawature I tau a taura. E ita te hauwharani in hen hei o tui te imhana, no te mea te mua iana te mo prof au atua, e o tāna I whaari. Wa horo na te te au tō tato I konoro I te e mo whaau a. E ai taro atu tomitera te te I tau anua ai te e mo horo a. Tap off ai te ia e. Wa tū te man o te hauwhenua e o te hauwharani. E ere roa tū, ia mai tā te e mau ea e hapurara no ara. No te atorori te man o, no te awai te teipē o tato. O ia, o tā rato I te e imira amoni, wa nā o voi roto ia ue, e iau te e mau atorori a man o te herepata. Iaho o te huira ati rai tā rātou api prau. Hamani atu ai te rai tōna man o ai te rai tōna. E iha rā tātou he mā atu. Tāmata rā tātou I te whaar o I te tea tū mohu a maramaramar a I ngai te e mō tū mō prau. Te rāwi anō aia e tōe rai tātou I mō ai te e mō papi apu. Papa I vea. O tā ura e mā reira. Te ani mei nei te piahi opuar a numera te hau, ia tatou I te imhana,
et par nous qui est ouïr à otarato i en et au te à papou y est ma tête petit au tinim ha il roto y te papa tour au te finou en est il va faire au mam hat na or aé et ti aroua y te au finou y te tout tour y te mon oeire na roto y te tout tout y te y roto y te rate à te mon oeire te tei mon tia y te pouhi y te au finou et te reira Naruto e teu profaal. Te pretinho teu finua. Esse mon oire. Minha marmar mamãe tei. E ele aneito utava na no arue. Na gaston flos huai a me tei tau a papaturera. Ma te a mana hiara e te mon irititure. E te matei tipti tau tini emha. E o ta tei e fa turera. Api, fa turera api. If a ripa raite yemhana, if an on raite yemhana. E ha tua ia, tata tue imira. O ia, ho e tutua in eito uta, ia topa o ia. Tena ora pe tupuna ia hita o ia. E oa oa ia vau. E provia tra mon on taho o. Te mawiwi nora tatu ya tatu, te ha mawiwi nora tatu ya tatu iso. E te nuna amaui. Totru ya ito rapa. Uwai ho i yau neid ha avai to ute e. Hau watu. No te ha avai to umetu a tei faa umma yau. Naruto pai te tera te ir a o tānai mon ora e e mia tanu. O tāna hua ai. Naruto pai te ha vira ai te taiteime. Inha hoi. Ya hor o hia te mana i roto ya o e te nuna. Ya o i roto ya o e te whaatere. Te mana hor o hia na te nuna. No te tawi ni ya yana. Ma te am o ya o e so e to o e utu afare. Wariro te nuna e utu afare api no o e. O ta o e e api api anuara ya ora o ia. E ere ane o Gaston Flos. O ta Gaston Flos i rave mei i tona tau. Aita nei oia i pupu i tona ror anu o e te nuna. Ma te ha te mei tona utu afare. I tana mo te mari. No atu e. Aita tana ara te iga a. E tu e ara e te taipa. Te man o hoho nura. I roto i te rā e te rāpupu. Te man o tabinia. Aita rā tato i te mei te imhana no te avara. I te tei orera no te awai a tato iso. No te whaaurara. E wino ai te man owe, ai tāne tato e hapera. Ai tāne tato e hapera. Pinipine te ie parau. I roto i te te e a hiro te wharerea. E ora i tā oe parau e hiro. E wha huipa i tā oe parau. Te parau mau e te parau tia. Tara te parau tā hiro e E pitimpinei te parau tatu o ia mau. Iwi no ai au e teihea parau mau. Teihea parau tia. O vai teinen hei parau, te iana te parau mau e te parau tia. Te rā. Trai tāna hi ora, trai tāna hi ora. Te roto noa tatou i te whanhaur a te tata. Ho e no raf anhaut a ta ue te aturira, te hau te ta ato ara. Ta te atua an e ia. E o ta ue te aturira, e o rai te proa te atua, e whaipa e te proa te atua, te iana te pro mau e te pro te ae hiro. Ai ta tana iso te mai tita o i tona nun ai muri mai tō rātou wha tataurur ai anai hiro. No tona here tona roha i tona nuna. E te mei o tei tupu. Te mei o tei tupu i hone in eito tato whenua. Nā roto ia i te whahaur a nā enemi puriti tar hei o te whenua nei. Ia hau te nun a māhoi. Ia hau te mou te mou tuahine māhoi. Ia hau to tato a au tātai tei. Ui te o tau e ereite mea o hie i te amatar amai. Watu pai pai te mafatu. E rawe rau wir ai wha mai. I proe ia ue e te mei o te e tatea tue oroa mei no tōna here ia oe tunun a maahui.
Maruru, ewa inuma yorana. Maitat urua te ura iparaumai, waruru maitato ite imhana, no te tuatapapae, wafahipa maitehiane te faufa, i ofohia te imotata, e fahapahiane e te turi. I roto i te mautata rara o ta umohua, o yeye. Te era, no matou ni, te uiwi atua ni te mana. Eha te tumu i tēmei e i te ie mahana, te ie tāpura ohipa. E pahono mai hoa o tau e, nā te papature piti tautini maha, e whahepo ne ia tātou, i arawe ho e whaoti rā, e ia pahono e aorera aita. No mātou nei rā, te hināro nei mātou e haapapu e, inha warawe ana te ture i tāna wha ohipa rā. E haia mātou e whaarirohia e perera nā vitei e.
Ehe fariro yamato e tavha na te hau fran. Ta e noa tu te prau no te ture. Wa fariro hea te e tapura ohipa e moiha. No te taho oho e tia. E no te ha amhamha yamato ya tato te nun ama ohi. Ina, wai te tato, mai tārene ko humoitini I parau nā roto I te reo tipe e. Nā te tata e papa I te ture, nāna atoa e tātara, e nāna atoa e wha ohipa. Wai te tātou e, ia hināro te hau frāni e totoa I te hoe no tātou, mei a pouana, e hoi tātou muri, e imi oia I te morawe atoa, ia te oia I nia I te wha tāna e titaura. Te e tō mātou moumana, peretini, tā mātou e hināro ni e whā I te nāroto I tō tātou reo. Maruru e yorana. Maruru, Monsieur Anthony Géras, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc c'est au nom de l'UPLD et au nom de ses membres, avec l'accord de ses membres et de ceux du Tawera, donc que je prendrai la parole. Mais avant d'intervenir sur mon exposé qui est relativement technique, je vous prie de m'en excuser, j'aimerais quand même réagir sur certains propos que j'ai entendus au fil des interventions qui se sont déroulées depuis ce matin, pour dire notamment à l'attention de M. Philippe Schill, ce n'est pas tant la personne qui a construit le projet qui est à mettre en cause, me semble-t-il, mais plutôt également ceux qui l'ont voté. Je me rappelle notamment lorsque Estrosi est venu ici nous imposer son bout de papier, si on peut s'exprimer ainsi, nous étions 44 à le rejeter. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis des faits et aujourd'hui, pour plusieurs raisons, nous avons à en débattre à chaque fois qu'une séance se tient sur un point de discordance de l'interprétation de ces nouvelles dispositions qu'il nous a imposées dans la mouture qui a été adoptée en 2007. À l'attention de mon collègue, même si ça va le fâcher, mon collègue Hirote Farere, je lui dirai que l'incendie d'un aéroport, à moins que le comptable public ait lui-même été impliqué dans les faits, ne me semble pas rentrer dans une requalification pour agissement d'un comptable de fait, donc de gestion de fait. Et enfin, j'ai longuement apprécié ce qui a été dit à propos du comportement de M. Titi, mais j'aimerais lui dire, s'il me suit en ce moment, d'être un peu moins loquace, car dans les coulisses, il me semble qu'il y a une rumeur qui tente à dire qu'il aurait essayé de soudoyer un certain nombre de ceux qui sont impliqués dans ce dossier en leur disant qu'il est prêt à payer leur contribution à condition qu'ils n'acceptent pas de voter pour la requalification de ces dépenses. Alors vous savez, ça me rappelle un peu l'histoire de Paréa, n'est-ce pas ? On ne va pas en dire plus, vous savez de quoi il s'agit. C'est du genre, il faut sauver Willy. Je vais maintenant intervenir sur mon propos du jour pour vous dire, mesdames et messieurs, chers collègues, en préambule de mon intervention, permettez-moi, comme l'ont fait remarquer ceux qui m'ont précédé, d'enrichir à mon tour notre réflexion de quelques précisions sur la procédure de reconnaissance d'utilité publique des dépenses qui nous interpelle, pour ensuite parvenir à nous sensibiliser sur le risque de l'amalgame entre le procès judiciaire instruit sous le couvert des emplois fictifs et la procédure administrative de régularisation financière qui nous est demandée. Bien entendu, et vous l'aurez compris, cette démonstration ne saurait se faire sans s'accompagner d'un éclairage plus pertinent de ce qu'est la gestion de fait. Alors qu'est-ce donc qu'une gestion de fait ? À l'attention de nos internautes qui n'ont pas souvent eu affaire avec ce genre de procédure et sans trop m'y étendre,
Je dirais que la gestion de fait est l'acte irrégulier. Je dis bien irrégulier, non pas illégal, par lequel une personne, qu'elle soit physique ou morale, s'immisce dans le maniement des deniers publics sans avoir qualité pour ce faire. Il est établi que cette façon d'agir porte ni plus ni moins atteinte à la sacro-sainte règle de séparation, la fameuse règle de séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable, laquelle est impérative et s'exerce sous le contrôle exclusif du juge des comptes. Et pour cause, nous sommes ici justement pour apporter notre décision, notre contribution à cet état de fait. D'ailleurs, la procédure de déclaration de gestion de fait relève de la compétence exclusive de ce dernier puisque, et comme on le disait tantôt en commission des finances, me semble-t-il, il s'agit là d'une création prétorienne de la Cour des comptes et que dans ce registre, la qualification d'une gestion de fait est rivée à la seule appréciation souveraine et discrétionnaire du seul juge des comptes. Donc on n'a pas le choix. C'est lui qui discerne et c'est lui qui décide. Si d'un point de vue théorique et formel, on peut aisément comprendre et admettre qu'une gestion de fait découle ni plus ni moins d'une gestion financière assurée par une autorité publique cumulant concomitamment les fonctions d'ordonnateur et de comptable public, sur le plan pratique, les choses ne semblent pas être aussi évidentes que ne l'énonce la règle, et souvent la frontière entre une gestion patente, c'est-à-dire normale, et une gestion de fait tient sur un fil de rasoir. On raconte même que dans certains cas, cette distinction est tellement infime que la frontière entre les deux permettrait d'y glisser une fine feuille de papier cigarette. Rassurez-vous sur ces points, nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement. Alors que vient donc faire ici la reconnaissance d'utilité publique des dépenses? Dans le cas de la procédure de gestion de fait déjà complexe, la reconnaissance d'utilité publique des dépenses est sans doute l'une des étapes les plus mystérieuses. Pourtant, elle est une phase fondamentale de la procédure de gestion de fait dont elle constitue le point central. La gestion de fait étant caractérisée par le constat d'une gestion irrégulière des deniers publics, j'insiste encore une fois, et ici, irrégulière et non pas illégale, on doit concevoir la reconnaissance d'utilité publique des dépenses comme un élément visant exclusivement à régulariser des opérations irrégulières, c'est-à-dire à rétablir dans les formes de l'orthodoxie comptable et financière les opérations qui en auraient échappé. En matière de dépenses, dans le cadre d'une gestion patente, c'est-à-dire normale, l'ouverture des crédits est préalable aux opérations de dépenses. C'est cet élément fondamental qui n'existe pas dans le cas d'une gestion de fait. Il convient donc que cette ouverture soit faite a posteriori à titre de régularisation. C'est l'objet de la reconnaissance d'utilité publique des dépenses qui ratifie ainsi des dépenses qui n'ont pas été imputées sur des crédits budgétaires préalables, ouvrant ceux-ci rétroactivement. Avec cette reconnaissance, la régularisation budgétaire des opérations effectuées par le gestionnaire de fait est donc permise et la ligne de compte. Rappelez-vous de la ligne de compte dont nous avons parlé en commission des finances, est ainsi définitivement arrêtée. On devine donc bien que ce n'est qu'à partir de cette phase que le jugement de ces comptes devient alors possible. Et oui, c'est une phase, comme je le disais, une phase clé et une phase fondamentale de la procédure. Mais, me direz-vous, pourquoi donc le juge des comptes ne valide-t-il pas ces opérations extra-comptables de son propre chef en vue de leur réintégration dans le livre des comptes? La réflexion nous y pousserait effectivement, mais ce serait sans compter le respect de l'arrêt constitutionnel édicté par l'article 72 qui précise que c'est par des conseils élus que les collectivités s'administrent. Dès lors, la réintroduction des dépenses effectuées au nom
de la collectivité publique dans ses livres de comptes exige le positionnement formel de son organe décisionnel, en l'occurrence et pour la circonstance de notre Assemblée s'agissant du dossier que nous examinons aujourd'hui. La reconnaissance d'utilité publique des dépenses est donc une décision politique, mesdames et messieurs, par excellence. Et par cette décision, les élus définissent ce qui est ou n'est pas d'intérêt général, comme l'ont exposé mes collègues, et arbitrent entre les dépenses qui interviennent afin de faire fonctionner au mieux la collectivité selon l'image très subjective, il faut le reconnaître, que se font les élus du peuple de l'intérêt général. Rappelez-vous, tous ceux qui ont participé au colloque sur le foncier, la façon dont cet intérêt général se déplaçait en fonction justement de l'intérêt de la question qui était soulevée et posée. Il faut cependant rappeler que dans le cas d'espèce, le positionnement politique intervenant après coup, je dis bien intervenant après coup, place de facto la juridiction financière dans une position d'arbitrage plus confortable que celle détenue par les élus du peuple, c'est-à-dire nous, à qui il revient de statuer. Alors sur ce point précis, mesdames et messieurs, le commissaire de gouvernement près la chambre territoriale des comptes n'a pas manqué, je dirais, et j'insiste, d'influencer la conscience des élus que nous sommes dans ses déclarations publiées dans un média de la place. Voilà celui-ci. Il disait en effet dans la presse le lendemain même de la transmission de ce dossier, le lendemain, c'est-à-dire le 4, ce dossier a été transmis le 3. Le lendemain même de la transmission de ce dossier au président du pays, alors nous n'étions pas encore au courant, je cite ces déclarations, on a voulu faire supporter à la Polynésie française des dépenses qui ne correspondaient à aucune activité réelle pour le fonctionnement de l'institution. Comment ne pas penser qu'après de telles déclarations livrées à l'opinion publique, on n'ait pas cherché à influencer, voire conditionner les consciences plutôt qu'à les éclairer. Et par voie de conséquence, nos avis, celle, la décision que nous allons rendre dans le cadre de ce dossier aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers collègues, à la lumière de cet exposé technique, et pour recadrer notre débat, le juge des comptes nous demande essentiellement de nous positionner par la déclaration d'utilité publique des dépenses sur la réintroduction rétroactive ou non de ces opérations dans les livres de compte de notre collectivité. De manière incidente, il nous est demandé de vérifier si ces dépenses ont bien été effectuées pour le bien et dans l'intérêt général de la collectivité que nous représentons. Là est la question fondamentale et la seule qui doit animer notre réflexion et rien d'autre. Comme le disait mon collègue Rofritsch, ne nous y trompons surtout pas. Il ne nous est pas demandé de nous ériger en juge de fond, comme l'expliquait M. Bissou, en subordonnant notre décision à la vérification de la légalité de l'acte de mise à disposition d'un agent public émergent à la présidence auprès d'une collectivité où il se trouve concomitamment également investi du mandat d'élu. Il ne nous est pas non plus demandé de vérifier si ce cumul de fonctions aurait été à l'origine d'un emploi patent ou fictif. Nous en serions d'ailleurs, au vu des éléments qui nous ont été produits, afin de nous éclairer fort dépourvus. Et vous le reconnaissez également vous-même. Laissons donc au juge de la règle, c'est-à-dire au juge des comptes, l'appréciation de la régularité des dépenses, et au juge de la loi, c'est-à-dire au juge administratif, l'appréciation de la légalité au fond de la décision ordonnant les dépenses. Ainsi disais-je donc, de manière incidente, qu'il nous est demandé de vérifier si ces dépenses ont bien été effectuées pour le bien et dans l'intérêt général de la collectivité que nous représentons. Avant d'y répondre,
je vous invite à me suivre dans une brève rétrospective sur l'histoire juridique des collectivités communales de Polynésie, qui va clairement mettre en évidence le positionnement du législateur, pas ceux qui ont fait les lois, M. Schill, ceux qui ont pris la décision de voter la loi, par rapport à l'intérêt général que représente le concours financier du territoire aux communes, mais qui va également, hélas, nous éclairer sur ce que j'appellerais une gestion de fait patente, mais qui, pour des raisons que j'ignore, n'a pas trouvé auprès de la juridiction des comptes d'avoir à être connue et par voie de conséquence déclarée. En effet, dès la création du régime communal en 71, et plus précisément au travers de la loi 71-2028, le législateur a entendu introduire, à travers l'alinéa 2 de son article 10, une disposition d'ordre public qui s'exprimait en ces termes. Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir en outre toute subvention allouée aux communes par l'État et par le territoire. Vous comprenez donc bien, mesdames et messieurs, chers collègues, ce qu'aujourd'hui, vous là, vous reprochez à la majorité dont vous avez fait partie dans les années faste, avait déjà à l'époque été au cœur des débats parlementaires, et que dans un souci d'intérêt public, la Haute Assemblée, celle où a siégé notamment Mme Béatrice Vernaudan, en 71, avait reconnu en sus du prélèvement fiscal comme d'intérêt général l'intervention financière du territoire au profit des communes. C'était déjà ancré dans la tête du législateur dès 1971. Certes, il s'agissait de subventions, mais dans le registre jurisprudentiel du Conseil d'État, n'a-t-on pas déjà, et même à plusieurs reprises, requalifié en subvention certaines mises à disposition de personnel au profit d'établissements publics ou d'associations? Donc, il est de notoriété que le législateur, dès 1971, avait non seulement reconnu d'intérêt public la possibilité pour le territoire de subventionner les communes, mais il en avait également tracé les contours et les modalités par le fait que celles-ci ne pouvaient se faire que par l'intermédiaire du FIP. Rappelez-vous de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi 71 qui précisait que le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir en outre toute subvention allouée aux communes par l'État et par le territoire. Toute subvention allouée aux communes par l'État et par le territoire. D'ailleurs, jugeant la rédaction de cet alinéa fort imparfaite, la Haute Assemblée viendra l'amender 6 ans plus tard à travers le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi 77-1460 qui stipule que le fonds intercommunal de péréquation reçoit en outre toute subvention allouée aux communes par le territoire. Là, c'est la massue qui achève. Même si le statut de 96, par l'intermédiaire de son article 96, qui précisait, comme on l'a évoqué tantôt, qu'en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie, l'État ou le territoire peuvent apporter leur concours financier technique aux communes, il ne me semble pas certain, et j'en suis personnellement convaincu, que cette disposition est entendue remettre en cause les modalités dont se prévalait l'article 16 de la loi 77-1460. Ce n'est donc qu'en 2004 que le législateur mettra un terme à cette disposition par l'introduction de l'article 54 qui précise qu'en vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements, faisant ainsi disparaître de l'article 52, formalisant l'existence du comité des finances locales, plus connu alors sous son ancienne dénomination comme étant le comité de gestion du FIP, la possibilité reconnue au territoire de subventionner les communes en passant exclusivement par le FIP. Vous voulez une preuve? Je vais vous la donner. Dans son commentaire sur cet article 52, le rapport du député Bignon est éloquent et catégorique.
Il précise en effet que le Fonds intercommunal de péréquation peut également recevoir des subventions de l'État, mais non plus de la Polynésie française. Il l'a dit dans son rapport à l'occasion du vote de la loi 2004. Renvoyant cette possibilité à l'article 54, dont la rédaction a la faculté d'être plus précise, plus complète et plus claire sur les modalités d'intervention du pays au profit des communes, à tel point qu'il y prévoit même les modalités de mise à disposition des agents de l'administration territoriale au profit de celle-ci. Ainsi, mesdames et messieurs, chers collègues, je voulais, dans ma longue démonstration, très technique certes, non seulement vous faire reconnaître le bien fondé de l'intérêt général dans lequel s'inscrit la politique interventionniste du pays au profit des communes, qu'il n'y a pas lieu ici de remettre en cause, mais mieux, à savoir vous faire toucher du doigt, à partir des précisions et de l'éclairage des textes qui s'imposent, ce qui pourrait être qualifié ici de véritable gestion de fait, sans que le juge des comptes n'ait trouvé à redire. Ainsi donc, mesdames, messieurs, chers collègues, nous sommes saisis d'une gestion de fait déclarée qui porte sur un montant, je crois, de 325 millions, me tromperais-je, alors que je viens de vous faire la démonstration que cette gestion de fait coexiste avec une autre gestion de fait non déclarée celle-ci, mais qui, elle, porte sur un préjudice bien plus considérable, puisqu'il s'élève, devinez, à plus de 14 milliards de francs. Jugez-en plutôt. En règle générale, deux conditions sont requises pour constater de visu l'existence d'une gestion de fait. Primo, elle doit porter sur les deniers publics, c'est-à-dire sur tout fonds et valeurs possédés par un organisme public, confié à un agent comptable. Et deuxio, elle suppose la détention ou le maniement des fonds par une personne non habilitée à le faire. Entre 1996 et 2004, la délégation développement des communes qui a été instituée par délibération 97-81 du 29 mai 1997 a ainsi été irrégulièrement amenée, je ne dis pas illégalement, irrégulièrement amenée à manier et ce faisant à distribuer directement aux communes plus de 14 milliards de francs de subventions sans que l'État, dans son rôle de contrôle des actes du territoire, n'ait trouvé à redire et alors même que le comité de gestion du FIP, qui s'en trouvait ainsi privé, la loi imposée au pays de tout donner au FIP, le FIP s'en trouvait ainsi privé, parce que le territoire donnait tout directement aux communes. Donc, sans que l'État, dans son rôle de contrôle des actes du territoire, n'ait trouvé à redire et alors même que le comité de gestion du FIP, qui s'en trouvait ainsi privé, était alors présidé par le haut commissaire en personne, et que sa gestion comptable et financière, celle du FIP, était assurée par un de ses services, en l'occurrence, rappelez-vous, la MAFIC. Le représentant de l'État, voyez-vous, ne pouvait méconnaître cette situation puisque le maire de la commune de Fare l'en a officiellement saisi au terme d'un recours gracieux par courrier, prenez note, numéro 141-10 du 23 août 1999. Assurément, avec de telles précisions et dans de telles circonstances, on peut se poser la question de savoir pourquoi une gestion de fait dans ce dossier ici, précisément, et rien dans l'autre. En 2007, lors des hasardeuses modifications de la loi organique imposée par le sieur Estrosi, celui-ci semble avoir fait pire, puisqu'au terme des modifications apportées par ses soins, à l'article 54, c'est tout l'ensemble du dispositif de subventionnement aux communes qui souffre aujourd'hui de gestion de fait depuis sa mise en application. En effet, l'article 54, modifié par la loi organique 2007-1719, dans son article 11-2, stipule que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé loi de pays. Or, vous le savez, comme moi,
mesdames et messieurs, chers collègues, représentants et représentantes, que depuis la mise en application de ces modifications statutaires, nous n'avons jamais été saisis d'aucune loi de pays définissant le cadre et les modalités permettant aux communes de bénéficier du concours financier de la Polynésie française, alors même, et ce n'est pas son président ou son vice-président qui viendra le contredire, que la commission de contrôle budgétaire et financier dont je fais partie a été depuis sa création constamment sollicitée pour rendre son avis sur de telles subventions. Gestion patente ou gestion de fait? Ici encore, alors qu'il ne s'en ressent une forte présomption de gestion de fait, l'État ne semble pas s'en intéresser outre mesure et le comptable public qui aurait dû, par mesure de précaution, s'opposer au paiement des subventions, ainsi qu'il en a été lors du paiement des indemnités des ministres démissionnaires, vous vous en rappelez, ne trouve pas matière à s'y opposer, même pas à agir, même pas une lettre d'attention, rien. On peut ici également et à nouveau se poser la question de savoir pourquoi une gestion de fait dans ce dossier qui nous est présenté ce matin et rien dans l'autre, autrement dit, pourquoi ce double traitement? Serait-ce l'implication formelle de l'État dans ces nombreux exemples de gestion de fait qui auraient été à l'origine de cette attitude soudainement frileuse de la juridiction des comptes? Ou plus simplement, serait-ce la plus adroite des façons de solder ses comptes avec celui qui a osé braver l'État en donnant à la Polynésie des compétences qui, inexorablement, ont rogné à la marge, certes, sur celles des juridictions administratives et financières? Ou bien l'État n'a-t-il pas trouvé là l'ultime moyen de fragiliser davantage, voire au pire, de détruire l'alliance que d'aucuns qualifiaient de mariage du lapin et de la carpe, mais qui a su surpasser ses clivages, surmonter ses passions et survivre à bien des péripéties pour faire triompher la paix dans notre pays? Non, mesdames et messieurs, chers collègues, devant une telle iniquité, combien même les arguments développés par les uns et les autres pourraient plaider en faveur de la réhabilitation des dépenses en cause ou tout simplement les rejeter, les membres de l'UPLD entendent à la lumière de l'exposé qui vient de vous être présenté refuser de se faire davantage manipuler et instrumentaliser par l'État et décident unanimement et d'un commun accord de refuser également de prendre part à ce scrutin. Oui, M. Bussou, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Nous pouvons passer maintenant à l'étude des délibérations, au cas par cas. Avant de le faire, je voudrais rajouter simplement à la direction de nos amis représentants que notre position est claire, a été explicitée tout à l'heure, et que notre position est de considérer que les dépenses qui ont été effectuées ne rentrent pas dans le cadre de l'utilité publique
pour le pays. D'ailleurs, le juge des comptes nous saisit aujourd'hui sur la base de ce jugement qui a été prononcé. Il revient toutefois aux intéressés, à notre avis, de se retourner vis-à-vis de leurs communes et conseils municipaux pour considérer si le travail effectué et les dépenses qui ont été occasionnées pour rémunérer les personnes en question relèvent effectivement de l'intérêt public communal. Je pense que dans la procédure qui a été suivie jusqu'à présent, nous sommes dans le cadre de l'application stricte de la loi organique, mais il revient également, si vous réfléchissez bien, aux conseils municipaux de ces communes de pouvoir transiger sur des questions qui sont quelque part assez difficiles pour les représentants que nous sommes, puisque nous n'avons pas la capacité, comme les juges, d'apprécier l'ensemble des éléments de ce dossier concernant l'ensemble des personnes incriminées à l'intérieur de ce dossier. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Merci. Nous allons donc passer à la première délibération et je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Oui, Monsieur le Président. Donc, il s'agit bien d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par Messieurs Gaston Flos, Victor Doum et François Hassen pendant la période du 16 juillet 2001 au 9 juin 2004. Article 1er. Sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 5 835 850 francs les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par messieurs Gaston Flos, Victor Doum et François Hassen au cours de la période du 16 juillet 2001 au 9 juin 2004 dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française jugée par la Cour territoriale de comptes de la Polynésie française dans son jugement numéro 2006-11 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 49-996 du 29 novembre 2007. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Hello. De l'article. Excusez-moi, je suis novice, donc article 1er a été lu. Merci. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour. Huit voix pour, ceux qui sont contre. Vingt-huit contre. Vingt-huit contre, ceux qui ne participent pas au vote. 17. Marourou. L'article 1er est donc adopté. Nous passons à l'article 2. Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Ceux qui sont pour. Oui, Monsieur Drouet. Permettez-moi d'éclaircir un point. Vous avez dit article 1er adopté, il n'a pas été adopté, il a été rejeté, me semble-t-il, puisque le nombre de voix contre est plus important que le nombre de voix pour. Oui, vous avez raison, je m'excuse. Il n'y a pas donc, raison de lire l'article 2, Monsieur le Président. En droit, je vous interroge. Si, quand même. Non, non, nous allons passer à l'article 2. Ceux qui sont pour, même vote, adopté, rejeté. Ah.
Président. Pour l'ensemble de la délibération, même vote refusé. Voilà. Vous souhaitez toujours intervenir, Monsieur Drolet ? Nous passons donc à la délibération suivante. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le Président, il s'agit donc d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par messieurs Gaston Floss, Victor Doum et par Gaston Bernardino pendant la période du 16 juillet 2001 au 9 juin 2006. 2004, excusez-moi. Donc, article 1er, sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 13 029 631 francs, les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales, les indemnités de congés payés effectuées par messieurs Gaston Floss, Victor Doum et par monsieur Gaston Bernardino au cours de la période du 16 juillet 2001 au 9 juin 2004 dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française jugée par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française dans son jugement numéro 2006-12 du 4 avril 2006 confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 49-998 du 29 novembre 2007. Merci. Nous passons au vote de l'article 1er. Ceux qui sont pour, même vote. Ceux qui sont contre, 28. Qui ne participent pas au vote, 17. Même vote. Passons à l'article 2. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Rejeté. Nous passons à la délibération. La délibération est donc rejetée. Nous passons à la troisième délibération. Alors, il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par messieurs Gaston Floss, Thomas Moutam et par Émile Broderson pendant la période du 15 janvier 1998 au 17 mai 2001 et du 18 mai 2001 au 9 juin 2004. Article 1er. Sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 39 407 399 francs pacifiques, les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par messieurs Gaston Floss, Thomas Moutam et par Émile Broderson au cours de la période du 15 janvier 1998 au 17 mai 2001 et du 18 mai 2001 au 9 juin 2004. Dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française jugée par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française dans son jugement numéro 2006-13 du 4 avril 2006 confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-0 du 29 novembre 2007. Nous passons au vote de... Oui, Madame Lanante-Etouanoui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne me suis pas exprimé sur les deux dossiers, les premiers dossiers qui viennent de passer, parce que pour éviter de dire des conneries. Par contre, pour prendre la défense du cas de Monsieur Thomas Moutam et de Monsieur Émile Broderson, respectivement maire de Taptapouatea et adjoint au maire de Taptapouatea actuellement, je vais parler en connaissance de cause, même si le vote est déjà acquis et certains se sont déjà prononcés, mais au moins j'aurais au moins pris la défense de mes collègues de Raromatei aujourd'hui. Parce que c'est pas en restant dans vos bureaux ici à Papeete que vous pouvez dire oui ou non si ces gens-là ont bel et bien travaillé pour l'utilité publique. Vous croyez sincèrement qu'un élu communal qui
ne sont pas comme nous, travaillent de 7h30 à 15h30 et puis on rentre à la maison. Ces élus, en tout cas je parle en connaissance de cause dans la commune de Tapouaté, aussi bien au Touro ou Toumara, sont là au service de leur population 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce ne sont pas comme certains salariés de la place où après 15h30, chacun peut vaquer à aller pêcher ou je ne sais pas trop quoi. Par contre, des élus communaux, ils sont là au service du peuple 24 heures sur 24. Alors, j'étais en réunion avec ce groupe de personnes pas plus tard qu'hier, qui ont quand même un message à vous faire passer. En tout cas, à ceux qui sont élus aujourd'hui et qui sont en train de prendre une position défavorable pour eux, mais certainement favorable pour vous-même. Chacun assumera ses responsabilités. Chacun assumera ses responsabilités. C'est pour ça que j'ai rappelé hier soir que j'ai été surprise de voir à RFO un très bel reportage où on montait en grand, où on montrait en grande pompe aussi bien l'ancien président du gouvernement, M. Floss, et l'actuel président du gouvernement qui cautionnait quand même toutes ces pratiques que l'on dénonce aujourd'hui. Alors, vous pensez réellement aller faire aboutir l'eau potable dans une commune aussi grande que Tapoutapouatea, c'est pas de l'utilité publique? Vous croyez qu'on va aller amener de l'eau potable dans les foyers des maisons, mais qui bénéficie de tout ça? Vous croyez que c'est M. Thomas Moutan, M. Floss ou M. Émile Bourdesson? Non, c'est plus de 4000 habitants dans la commune de Tapoutapouatea. Alors si j'élève un peu ma voix aujourd'hui, parce que je suis quand même chagriné, pour une personne qu'on veut abattre, on veut remettre en cause tout l'intérêt que 4000 citoyens d'une commune bénéficient aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire à propos de ce dossier concernant M. Thomas Moutam et Émile Bourdesson. En tous les cas, en tant qu'élu de la Romantaye, je tirais un grand coup de chapeau à ce maire et à cet adjoint de maire, parce que je vous conseillerai fortement, prenez l'avion et allez un peu faire un tour dans la commune de Tapoutapouatea. Vous devriez prendre pour exemple tout ce qui a été édifié dans cette commune. Merci, Yolande. Merci. Nous passons au vote de l'article. Madame Théoudaïriti, vous avez la parole. Malgré le prétendement, on peut noter que nous avons été en train de faire un travail de Victor Doum. Que tu es un homme, 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 tu es. Nous passons au vote de l'article 1er. Ceux qui sont pour, 8. Ceux qui sont contre, 28. Ils ne participent pas au vote. Même vote adopté. Nous passons à l'article 2. Madame le rapporteur, refusé plutôt. Je m'excuse. C'est d'habitude, c'est refusé, refusé. Nous passons à l'article 2. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote refusé. C'est la délibération qui est mal rédigée parce que là, c'est marqué adopte. Ah, je lis adopte. L'ensemble de la délibération est rejeté. Nous passons à la quatrième délibération. D'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par messieurs Gaston Floss, Édouard Fritsch et Gustave Heitha pendant la période du 18 mai 2001 au 9 juin 2004. Article 1er. Sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 7 478 635 francs
les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par Gaston Floss, Édouard Fritsch et Gustave Heitha au cours de la période du 18 mai 2001 au 9 juin 2004 dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française jugée par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française dans son jugement numéro 2006-15 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50005 du 29 novembre 2007. Oui, Madame Théoura Eriti, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais profiter que Madame le maire de Pire-Ay est là, ainsi que certains de nos concitoyens de Pire-Ay, pour parler un peu de Gustave Heitha que nous connaissons tous. À l'époque, il était septième adjoint de la commune de Pire-Ay. Et de mai 2001 à juin 2004, il avait un contrat de la présidence. Et dans ce contrat, en fait, il assurait une permanence donc à la commune de Pire-Ay, où il avait en charge des dossiers, et vous le connaissez parfaitement, notamment l'exécution du contrat de ville, et il suivait tous les dossiers de Pire-Ay, admis au contrat de ville, notamment les relations avec les organismes sociaux et d'aménagement, tels que l'OPH, la SAGEP, pour le suivi des dossiers, surtout les quartiers de Taurat, Miona, Toteraipane, Teona. En charge des relations avec les forces de sécurité, et il était en relation avec les forces de gendarmerie pour les multiples problèmes que peuvent survenir dans la vie quotidienne des quartiers. Violence familiale, campagne de prévention, expulsion, délinquance. Il avait aussi en charge des animations scolaires. Il était en relation avec les écoles de Pire-Ay pour organiser des événements, des fêtes qu'ont bénéficié nos enfants. En charge des animations de la vie des quartiers, là aussi, et j'en passe. Certes, il avait une activité supplémentaire, je pense que c'est là où vous pointez du doigt. En tant que chroniqueur à la radio Mahu. Mais, et vous le savez très bien, qu'il passait son temps à radio Mahu en dehors de son temps normal à la commune. Et plus encore, il travaillait au-delà des heures, 8 heures par jour. Au-delà, Madame le maire, vous le savez très bien. Trapreteni Maruru. Ça y est, vous avez terminé votre intervention, Madame Théouraïti. Ou après, autre après, dites-moi, Maruru. Maruru, nous allons passer au vote de l'article premier. Ceux qui sont pour, 8 pour, même vote. Ceux qui sont contre, même vote. Ceux qui ne participent pas au vote. Maruru, l'article premier est donc refusé. Nous passons à l'article 2. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote pour toute la délibération. Nous passons à la délibération suivante. Madame le rapporteur. Monsieur le Président, il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par messieurs Gaston Floss, Théotei Fawa et Robert Hitia pendant la période du 3 juin 2002 au 9 juin 2004. L'article 1er, sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 4 984 292 francs pacifiques, les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectué par messieurs Gaston Floss, Théotei Fawa et Robert Hitia au cours de la période du 3 juin 2002 au 9 juin 2004 dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française jugés par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française
Dans son jugement numéro 2006-16 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-007 du 29 novembre 2007. Si nous passons au vote de l'article premier de la présente délibération, ceux qui sont pour, même vote. Ceux qui sont contre, même vote. Ceux qui ne participent pas au vote, même vote. L'article premier de cette délibération est donc refusé. Nous passons à l'article 2, Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote pour l'article 2. Pour l'ensemble de la délibération, même vote également refusé. Nous passons à la délibération suivante. Il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par messieurs Gaston Floss, Juliette Noupouré et par Hans Piffard pendant la période du 18 mai 2001 au 9 juin 2004. Article 1er sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 5 966 127 francs pacifiques. Les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par messieurs Gaston Floss, madame Juliette Noupouré et monsieur Hans Pifao au cours de la période du 18 mai 2001 au 9 juin 2004, dont la gestion de fait des deniers de la Polynésie française jugée par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française dans son jugement numéro 2006-17 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-009 du 29 novembre 2007. Au vote de l'article 1er de la présente délibération, ceux qui sont pour, même vote. Ceux qui sont contre, même vote. Ceux qui ne participent pas, vote, même vote. L'article 1er de cette présente délibération est donc refusé. Nous passons à l'article 2. Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote refusé. Nous passons à l'ensemble de la délibération. Même vote refusé. Nous passons à la délibération suivante. Madame le rapporteur. Alors, il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par messieurs Gaston Floss, Michel Buyard et René Temeraro Parouiri pendant la période du 10 juin 1998 au 17 mai 2001 et du 1er août 2001 au 9 juin 2004. Article 1er sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 22 183 819 francs les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par messieurs Gaston Floss, Michel Buyard et René Temeraro Parouiri au cours de la période du 10 juin 1998 au 17 mai 2001 et du 1er août 2001 au 9 juin 2004 dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française jugée par la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française dans son jugement numéro 2006-18 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-011 du 29 novembre 2007. Merci, Madame le rapporteur. Nous passons au vote de l'article 1er. Même vote. Monsieur Tevaro Fritz, vous souhaitez intervenir? Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je serai court, mais je pense que les élus de l'Assemblée ont reçu un dossier sur ce cas bien précis préparé par M. Temeraro qui démontre là aussi tout le travail qui a pu être accompli au contact de la population, que ce soit par lui ou par d'autres élus de la municipalité de Papeete. Un dossier qui est bien fourni avec des photos, Monsieur le Président, où un certain nombre de gens qui votent contre aujourd'hui sont sur les photos avec toutes ces personnes-là. Il est peut-être encore temps de réagir et de revoir son vote. Il y a utilité publique. Il n'y a pas de géographie dans l'utilité publique, la commune ou le pays, Monsieur le Président. L'utilité publique se définit comme telle.
Donc je trouve qu'il est un peu facile de se réfugier derrière l'utilité du pays et pas celle de la commune. Il y a utilité publique, du travail a été fait et j'invite mes collègues à voter pour. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le représentant. Monsieur Vissou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste redonner ma position sur ce sujet et réagir par rapport à ce que je viens d'entendre. Je pense que notre position a été clairement exprimée tout à l'heure. Et ne prenez pas l'intervention que j'ai faite en proposant ou en suggérant aux intéressés de s'adresser aux conseils municipaux, puisque manifestement, effectivement, certains, peut-être tous, ont réellement travaillé pour les communes en question. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les travaux réalisés, qui tout naturellement ont été pris en charge par les communes en question, relèvent de l'utilité publique? C'est quand même extraordinaire. Voilà une porte qui s'ouvre. Vous avez ici des maires avec qui nous nous sommes concertés et on se ramasse des invectives en contrepartie. On a quand même montré énormément de compréhension dans le traitement de ces dossiers. Alors on n'a pas besoin d'avoir de critiques supplémentaires. Merci. Merci. Monsieur, Madame Lana Détonou, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis obligé de réagir là à cette intervention. J'aurais juste une question à poser à Monsieur Buissou. Si la mise à disposition, enfin, de ces personnes-là ne relève pas de l'utilité publique, alors je suis en train de te poser la question, est-ce que alors les subventions qui proviennent de la DDC, c'est-à-dire du pays, et qui sont données aux communes, est-ce que ça relève de l'utilité publique? Parce que, au fait, comme c'est pour rendre service aux mêmes citoyens de ces communes-là. Monsieur Tevarofitch, vous avez demandé à prendre la parole. Monsieur le Président, je voulais aller dans le même sens que Madame Tétouanoui, parce qu'à entendre la démonstration qui a été faite effectivement par le président du groupe Totatoaga, du fait que ça relève d'une municipalité, il fait une différence entre l'intérêt public du pays et celui de la commune. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans la discussion générale, Monsieur le Président, cette utilité publique est reconnue par le statut, qui est notre loi organique, certes mal précisée dans l'article 96 en 96, mais précisée aujourd'hui dans l'article 54. Ou sinon, comme dit Madame Tétouanoui, il faut arrêter d'intervenir dans le domaine des communes et ne plus aider les communes à remplir leur mission. Il faut avoir le courage alors d'aller jusqu'au bout. On a toujours l'impression des deux poids, deux mesures, Monsieur le Président. Merci. Merci. Madame Dupont, vous avez la parole. Maruru Prititini. Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de mon groupe pour n'avoir pas suivi la consigne du groupe, mais pour avoir voté selon ma conscience. Aussi, je voudrais poser deux questions à nous tous ici réunis. Quel aurait été votre vote si vous faisiez partie des 14 personnes qui, nous le savons, ont travaillé pour les communes, donc pour la population? Voilà ma première question. Deuxièmement, y a-t-il une seule personne parmi nous qui est sans faute, qui n'a rien à se reprocher? Hamanon Natato. Il travaille une fatouri, femme adultère. Tenaora Oyetu, Tetata, Aïtata Mehara, Arveïti Ofait et à Papa Hiatu. Personne n'a bougé. Voilà ce que je voulais poser comme question. Alors, on n'est pas obligé de répondre. C'est en son âme et conscience. Voilà, merci. Oui, madame, merci, madame Dupont. Monsieur Bichou, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste répondre une dernière fois, et je pense qu'il n'est pas utile de poursuivre visant sur un ton polémique. Ce qui a été reproché par le juge des comptes est le recrutement avec, j'irais en concomitance, la remise à disposition de personnes auprès des communes en question, sachant bien entendu qu'il s'agit d'élus. Et qu'en l'occurrence, sur les financements de la DDC, ce sont bien des conventions qui ont été signées et des interventions dans les domaines de compétences définis par les communes en question. Je n'ai pas besoin de les rappeler, l'eau, l'électricité, etc. Et que même ces communes auraient pu faire procéder à des recrutements sur la base des financements apportés par le pays pour les besoins de réalisation des travaux en question. Voilà. Maintenant, je ne souhaite pas aller plus loin là-dessus. Je voudrais rajouter une chose, et là je vais vous en parler à titre personnel. J'ai suivi tout ce débat, y compris dans la presse, où on essayait de me mettre en situation de devoir me positionner aujourd'hui, sachant que je fais partie des 99 prévenus devant le tribunal correctionnel. Quel aurait été l'intérêt de Jean-Christophe Bouisseau aujourd'hui, d'après vous, si j'avais réfléchi d'une manière personnelle? Quelle serait la position que j'aurais maintenant pour me disculper d'une autre situation et d'une autre responsabilité auquel j'aurais à faire face en ma qualité de président de Radio Henri de 1997 à 2003. Quel est le message que je donne par mon vote aujourd'hui et ce matin au regard de ma responsabilité au moment où je répondrai aux questions? Alors, je n'ai pas besoin qu'on me fasse la morale. Je n'ai pas besoin que vous veniez ici nous dire à U et à Dia. Je sais parfaitement ce que je suis en train de faire et j'estime aujourd'hui que nous devons tourner la page. Alors, tournons cette page. Elle est difficile. Mais je me permets de tourner cette page avec vous. Merci. Merci. Monsieur Rufrich, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, je suis d'autant plus à l'aise pour intervenir aujourd'hui, Monsieur le Président, que je ne suis ni dans la liste des 23, ni des 14, ni des 99. Ce que je voudrais dire à mon collègue Bouisseau. Je suis d'autant plus à l'aise que je n'étais pas dans l'exercice de fonction publique à cette période-là. Mais je suis d'autant plus à l'aise pour voter favorablement à l'utilité publique. Non pas par discipline de groupe, mais parce qu'en ayant moi-même regardé chacun de ces cas, je suis convaincu de cette utilité publique. Je suis convaincu que des conventions ont été passées, comme pour la DDC. Et je suis convaincu, dans ce cas précis, je ne parle pas des 99, effectivement, qui sont prévenus devant la justice. Ça, la justice suivra son cours. Mais je suis très à l'aise pour en parler parce que je n'en fais pas partie. Et lorsque M. Bouisseau parle de la concomitance entre la signature de la convention et la mise à disposition, je lui retournerai qu'heureusement qu'il y a eu cette concomitance, parce que sinon il y aurait eu emploi fictif, puisque ces personnes-là étaient embauchées pour travailler pour la commune. Personne ne s'en cache. Si elles avaient été embauchées dans un certain temps à la présidence du gouvernement sans être sur le terrain, alors que c'était la destination de leur embauche, là il y aurait eu emploi fictif. Donc parce qu'il y a eu concomitance, Monsieur le Président, je vote favorablement pour ma part à l'utilité publique de ces dépenses, sans entrer dans la polémique. Mais Monsieur le Président, encore une fois, ces gens ont travaillé, et ne mélangeons pas justement les listes et les procès. Nous ne sommes pas dans un procès aujourd'hui, nous sommes dans l'interprétation de l'article 96 qui était trop large à l'époque, et qui a eu besoin d'être précisé en 2004. Mais je crois que certains d'entre nous ne sont pas là
et sont effectivement ou pour régler des comptes ou pour tirer un trait ou tourner une page, comme je viens de l'entendre. Mais on ne tourne pas une page avec un vote, Monsieur le Président. On ne tourne pas une page avec un vote. En tout cas, moi, je continuerai à voter favorablement, d'autant plus que je ne suis pas incriminé dans la liste qu'a évoquée Monsieur Jean-Christophe Bissou. Merci, Monsieur le Président. Merci. Nous allons... Monsieur Bissou, vous avez la parole. Je voulais vous dire que, comme je l'ai déclaré à la presse, je crois, ou aux radios, je crois dans la bonne foi de Gaston Flosse. Je crois dans la bonne foi des opérations qui ont été effectuées. Vous savez, lorsque j'ai été désigné président de Radio Mahorais et qu'il y avait du personnel qui était déjà mis à disposition, à 37 ans, et lorsque on rentre en politique, ça faisait déjà 6 ans que j'étais en politique, mais je n'étais pas un féru sur le plan juridique. Je n'étais pas quelqu'un qui pouvait savoir que les mises à disposition au travers de conventions de personnel recruté par la présidence et mis à la disposition d'une association n'étaient pas conformes à la loi. Lorsque j'ai rencontré le juge d'instruction, il me dit, est-ce que vous croyez que si le président de la République, Nicolas Sarkozy, recrutait du personnel pour mettre à la disposition de RTL, les Français trouveraient ça normal? Là, je me suis dit, c'est vrai que vu de cette manière-là, on peut se poser des questions. Mais je peux vous assurer que j'étais en bonne foi. Vous voyez? Mais il faut tourner la page sur ces comportements-là. C'est de ça dont on parle ce matin. Donc il ne s'agit pas d'attaquer quiconque, pas les personnes, mais les actes. Et ce sont les actes qui sont jugés. Alors soit on tourne la page, soit on considère qu'il faut poursuivre de la même manière. Bien, nous avons pris une décision. Voilà. Je reviendrai plus dessus. Merci. Nous passons au vote de l'article 1er. Ceux qui sont pour, même vote. Ceux qui sont contre, même vote. Qui ne participent pas, vote, même vote. L'article 1er est refusé. Nous passons à l'article 2. Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote pour l'article 2. Idem pour l'ensemble de la délibération. Et nous passons à la délibération suivante. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuée par M. Gaston Flosse, M. Edwin Théré et par Mme Sylvia Vangpo, née Tahuaitu, pendant la période du 6 août 2001 au 9 juin 2004. Article 1er, sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 6 649 251 francs les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par M. Gaston Flosse, M. Edwin Théré et par Mme Sylvia Vangpo, née Tahuaitu, au cours de la période du 6 août 2001 au 9 juin 2004, dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française, jugée par la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, dans son jugement numéro 2006-19 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-013 du 29 novembre 2007. Au vote de l'article 1er, ceux qui sont pour, même vote. Nous passons à l'article 2, Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote pour l'article 2. Idem pour l'ensemble de la délibération. Refusé. Nous passons à la délibération suivante.
Cette délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par M. Gaston Flos, M. Marcelin Lissant et par M. Bruno Taharouaméa pendant la période du 18 mai 2001 au 9 juin 2004. Article 1er. Sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 15 330 597 francs les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par M. Gaston Flos, M. Marcelin Lissant et par M. Taharouaméa Bruno au cours de la période du 18 mai 2001 au 9 juin 2004. Dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française, jugée par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française dans son jugement numéro 2006-21 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-024 du 29 novembre 2007. Même vote. Passons à l'article 2. Madame le rapporteur. Monsieur Rivetta, vous avez la parole. Président Marour, je voudrais intervenir sur ce dossier-là. Parce qu'à l'époque, j'étais ministre et j'étais en tournée à Houéni. Et en même temps, Tavana Lissant à l'époque, et on a été dans 700 communes de Matéa. Et il inaugurait avec Bruno la mise en place de l'eau potable à Matéa. Si je vous dis ça, je ne sais pas, il est tout à tout dans notre réflexion, à quel moment on parle de l'utilité publique. Le fait que le territoire, par notre titre de représentant à l'Assemblée, on avait voté un texte il y a quelques années de cela pour mandater les communes à mettre de l'eau potable. Ces communes-là, ils ont travaillé sur le mandatement de notre gouvernement à l'époque et de notre assemblée pour donner de l'eau potable, c'est un intérêt d'utilité publique. Ben, je voudrais plaider pour ce dossier-là. Parce que j'ai vu ces gens-là travailler. Et quand je vois les administrés de ce quartier-là, de cette section de commune, heureux, mais alors vraiment heureux, de recevoir de l'eau, je pense que quelque part, comme moi-même, en tant que maire, on a accompli quelque part notre mission et l'utilité publique qui a été mandatée par notre assemblée à l'époque. Il faut donner de l'eau potable à toutes les administrés de la Polynésie française. Et le fait que nous n'avions pas, à cette époque-là, des personnes pour encadrer ou alors des techniciens pour suivre les travaux, je crois qu'un adjoint, quelque part, un adjoint de maire, je connais bien le dossier, un adjoint de maire, à Rurutu, il est payé à 50 000 francs pour assumer ses fonctions d'adjoint de maire. Quoi. Avec ce qui est là, avec des indemnités venant, avec des conventions évidemment, signées par le gouvernement de l'époque et pour mettre à la disposition des communes, je crois que quelque part nous avons accompli notre mission. Merci. Merci. Nous passons à l'article 2. De cette délibération, Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Même vote refusé. Idem pour l'ensemble de la délibération. Nous passons à la délibération suivante. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Alors, il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par Gaston Flos, Michel Buillard et Marcelino Teata pendant la période du 1er août 2001 au 9 juin 2004.
Article 1er, sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 10 558 299 francs les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par messieurs Gaston Flos, Michel Buillard et Marcelino Teata au cours de la période du 1er août 2001 au 9 juin 2004 dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française jugé par la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française dans son jugement numéro 2006-22 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-026 du 29 novembre 2007. Passons au vote de l'article 1er, même vote refusé. Nous passons à l'article 2. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote pour l'article 2, idem pour l'ensemble de la délibération. Nous passons à la délibération suivante. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Donc, il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par M. Gaston Flos, M. Jacques Villy et M. John Screenland pendant la période du 2 décembre 1996 au 17 mai 2001. Article 1er, sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 21 628 016 francs, les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par messieurs Gaston Flos, Jacques Villy et par John Gridland au cours de la période du 2 décembre 1996 au 17 mai 2001. Dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française, jugée par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française, dans son jugement numéro 2006-23 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes, dans son arrêté numéro 50-028 du 29 novembre 2007. Nous passons au vote de l'article 1er de la présente délibération. Même vote refusé. Nous passons à l'article 2. Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote pour l'article 2, refusé. Idem pour l'ensemble de la délibération. Nous passons à la délibération suivante. Madame le rapporteur. Monsieur le Président, il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par Monsieur Gaston Flos et par et Farah Parker pendant la période du 1er juin 2002 au 9 juin 2004. Article 1er. Sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 10 187 500 francs les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par Gaston Flos et Farah Parker au cours de la période du 1er juin 2002 au 9 juin 2004. Dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française, jugée par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française, dans son jugement numéro 2006-25 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-032 du 29 novembre 2007. Merci. Nous passons au vote de l'article 1er. Même vote refusé. Nous passons à l'article 2. Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote refusé. Idem pour l'ensemble de la délibération. Nous passons à la délibération suivante. Madame le rapporteur. Il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuées par M. Gaston Flos et par M. Cyril Le Gaïc pendant la période du 16 septembre 1996 au 17 mai 2001 et du 18 mai 2001 au 9 juin 2004. Article 1er.
sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 40 172 178 francs, les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectuées par M. Gaston Flos et par M. Cyril Le Gaïc au cours de la période du 16 septembre 1996 au 17 mai 2001 et du 18 mai 2001 au 9 juin 2004, dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française, jugée par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française, dans son jugement numéro 2006-26 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-034 du 29 novembre 2007. Nous passons au vote de l'article 1er de cette délibération. 20 votes refusés. Nous passons à l'article 2. Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote refusé, même vote pour l'ensemble de la délibération. Nous passons à la dernière délibération. Madame le rapporteur. Il s'agit d'une délibération conférant le caractère d'utilité publique à diverses dépenses de rémunération effectuée par M. Gaston Flos, Bruno Sandras, pendant la période du 10 février 1997 au 17 mai 2001 et du 10 mai 2001 au 9 juin 2004. Article 1er, sont reconnus d'utilité publique pour un montant global de 27 583 442 francs, les dépenses de rémunération comprenant les salaires, les cotisations sociales et les indemnités de congés payés effectué par Gaston Flos, Bruno Sandras, au cours de la période du 10 février 1997 au 17 mai 2001 et du 10 mai 2001 au 9 juin 2004, dans la gestion de fait des deniers de la Polynésie française, jugée par la Chambre territoriale de compte de la Polynésie française, dans son jugement numéro 2006-27 du 4 avril 2006, confirmé par la Cour des comptes dans son arrêté numéro 50-036 du 29 novembre 2007. Nous passons au vote de l'article 1er de cette délibération. Monsieur Teofrich, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes dans ce cas-là dans une situation bien particulière, puisque Monsieur Bruno Sandras est donc mis en cause, alors que la personne ayant bénéficié du contrat ne l'est plus. Et il y a globalement tout de même, excusez-moi de revenir là-dessus, je pense un problème de positionnement global de notre Assemblée sur cette utilité publique. Je ne suis pas intervenu tout à l'heure sur le cas de notre ami John Creedland, qui a assisté au quotidien, pour ne pas dire 24 heures sur 24, M. Jacques Vie, qui nous le savons tous était un maire atteint d'un handicap, mais qui assumait néanmoins ses responsabilités. Et revenir peut-être sur cette notion effectivement de mélange entre la responsabilité d'un élu municipal et la possibilité qui a été offerte par le biais de ces contrats et de ces conventions aux personnes bénéficiaires de se consacrer entièrement à la chose publique dans la commune. Et je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame, effectivement. Les élus municipaux remplissaient leur responsabilité d'élus municipaux en tant que tels, mais ces conventions leur ont permis, au-delà de la fonction d'élu municipal, eh bien, d'œuvrer à la gestation et à la mise en œuvre de projets pour les communes. Et ça a été le cas de toutes les communes que nous avons évoquées, Monsieur le Président. Alors, je n'ai pas bien compris tout à l'heure, sans entrer encore dans la polémique, la position qu'avait Monsieur Buissou sur la consultation des conseils municipaux. Est-ce que c'était pour rembourser éventuellement, ce que ces personnes vont devoir? Mais on ne peut pas. Il me semble que ça ne va pas être possible, parce que ça... Il s'agirait alors de prise illégale d'intérêt, me semble-t-il, puisque ces personnes auront été condamnées par la Chambre des comptes à rembourser. Et ce n'est pas le conseil municipal qui pourra prendre une délibération, me semble-t-il, M. Buissou, pour rembourser à leur place. Donc ces personnes vont bien devoir, eux ou leurs ayants droit, puisque certains ont disparu aujourd'hui, eh bien rembourser ces sommes. Alors encore une fois, M. le Président, qu'ils ont travaillé, alors qu'ils ont donné beaucoup plus de temps peut-être à leur œuvre en faveur de la population, certes municipale, mais la population de la Polynésie, parfois au détriment de leur vie familiale. Et je pense que nous aurions pu aujourd'hui, par un geste fort justement,
pour tourner la page, c'est vrai, leur dire, vous avez travaillé, le gouvernement aujourd'hui ne souhaite plus passer par le biais de ce type de convention, encore faudra-t-il le prouver, mais justement pour tourner la page, nous aurions pu leur dire, néanmoins vous aviez travaillé à l'époque, on n'est plus d'accord avec ce genre de convention, mais vous aviez travaillé, vous n'avez pas à rembourser. C'est pas ce qu'on leur dit aujourd'hui, on leur demande de rembourser plusieurs années de travail. Merci, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, M. Bichou? Merci, Monsieur le Président. Si on part du principe que le travail réalisé par ces personnes a bénéficié à la commune à laquelle la personne était rattachée, alors à ce moment-là, il revient au conseil municipal de statuer sur le caractère d'utilité publique pour la commune. Attention, on parle d'eau, on parle de déchets, ce sont bien des compétences liées à une commune. Donc il s'agit bien d'utilité publique pour la commune dans ses domaines de compétences. Gaston Thompson nous disait que les maires aujourd'hui, de même que les adjoints et les membres des conseils municipaux, prennent une assurance en responsabilité civile sur des erreurs qui peuvent se produire en termes d'appréciation. Donc je ne suis pas un spécialiste en droit, mais dans la procédure, normalement, les personnes en question peuvent se retourner, non pas se retourner contre, mais vers les conseils municipaux pour dire le travail qui est effectué aurait dû être pris en charge par les communes en question. Vous voyez ? À mon avis, ça doit être quelque chose de possible et c'est aux conseils municipaux d'apprécier effectivement le travail qui a été réalisé. Je suis persuadé que certains conseils municipaux apprécieront sa juste valeur le travail effectué par les uns et par les autres. Merci. Nous passons au vote de l'article 1er de la présente délibération. Même vote. Refusé. Nous passons à l'article 2. Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Même vote pour l'article 2 et idem pour l'ensemble de la délibération. Voilà. Nous avons terminé avec les 13 délibérations et nous passons à l'examen de la correspondance et je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Monsieur Drolet, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, à propos de correspondance, je voudrais profiter de la présence du président du gouvernement qui nous a adressé hier un courrier que nous avons reçu ce matin 4 novembre. Et je voudrais lui dire que dans ce courrier, Monsieur le Président, vous me semblez être un peu jésuite. Parce qu'en fait, souvenez-vous, la loi Estrosi nous oblige à un débat d'orientation budgétaire. Et dans ce débat d'orientation budgétaire, je vous ai adressé à Escalité, il y a un certain temps, une demande pour justement organiser ce débat. Et dans une première réponse, vous nous avez dit 6 novembre. Sans autre précision. Je vous ai donc adressé un deuxième courrier pour vous dire peut-être que pour faire un débat, il faut que des éléments concrets soient mis à la disposition des représentants, quels qu'ils soient, de l'Assemblée de Polynésie. Et là, vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai adressé un troisième courrier, toujours à Escalité, en vous disant que si le débat avait lieu le 6 novembre, peut-être que nous aurions pu avoir ces documents le 31 octobre. 31 octobre, rien du tout. Têtu comme je suis, en conférence des présidents, hier, j'ai encore posé la question. Et là, une lueur d'espoir m'est apparue. De la bouche de Madame Emma Algan, que nous avions généreusement acceptée à cette conférence de président, bien qu'elle n'eusse pas droit, et Eleanor Parker, de nous dire, Monsieur le Président, qu'elles avaient vu un document qui ressemblait à un document d'orientation budgétaire. Elles m'avaient même laissé entendre qu'il était épais comme ça.
Ah, je me suis dit, chance, nous allons avoir un document. Et elles m'ont précisé, sans que je les oblige à me répondre cela, que nous aurions ce document aujourd'hui, Madame Parker et Madame Algon. Je me suis dit quand même, notre règlement intérieur dans la procédure de droit à l'information prévoyait 4 jours, là c'est réduit à 2, même à 2, nous sommes preneurs. Je pensais donc qu'aujourd'hui nous allions avoir ce document pour pouvoir débattre jeudi, Monsieur le Président. Mais au lieu de ce document, je reçois une lettre de jésuite. Ah, je vais vous dire pourquoi. Dans le document de Monsieur le Président, il nous dit « Je vous indique par la présente que je me conformerai aux dispositions de la loi organique statutaire et du règlement intérieur. » Très bien. Le paragraphe qui suit, il me dit, il nous dit à nous tous, dans la loi organique et dans le règlement intérieur, il n'y a rien. Donc il se conforme à la loi organique et au règlement intérieur, dans lesquels il n'y a rien. Conclusion, il fait ce qu'il veut. Conclusion, on va avoir un monologue et non pas un débat d'orientation budgétaire jeudi. Donc, je fais appel au président du gouvernement pour malgré tout nous adresser un document de façon à ce que ce débat démocratique puisse avoir lieu et arrêter d'être jésuite, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur Drolet, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, j'ai suivi le débat sur le dossier précédent. Je tiens tout simplement à relever la clarté de la position de la majorité devant ce dossier. Je tiens à le remercier. Il n'y a pas eu de pression, contrairement à beaucoup de personnes qui l'ont cru relever. Il y a eu un débat au sein de la majorité. Et chacun s'est positionné. Merci. Pour le document d'orientation budgétaire, j'aurais demandé plus gentiment que ça. Vous l'aurez. En tout cas, vous l'aurez avant jeudi. Merci. Merci. La date de la prochaine séance a été fixée au jeudi 9 novembre. Jeudi 6 novembre. Voilà. Marou, tu as mis un peu de temps. 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 Et la séance est close.